Bonjour à toutes et à tous les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi après-midi pour le premier live de la semaine sur Enshrouded. Alors je vais attendre le petit retour son, savoir si tout est bon, et faire des petits coucous. Et on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va discuter du fameux serveur aussi, et je vais vous donner des infos. Le son est bon, merci Gérald. Alors Gérald qui sera un peu tout seul à la modération hein, cet après-midi, en attendant l'arrivée peut-être de, enfin certaine d'ailleurs de Mrs. Beers un peu plus tard. Tout simplement parce que pour ce live, je serai en compagnie bien sûr de Mira, Et bonjour. de Dark, Bonjour, bonjour. et comme il l'a dit dans le chat tout à l'heure, de Chris qui a changé de casquette. Eh oui, j'ai changé de casquette. Bonjour, bonjour. Voilà, qui sera avec nous. Donc on sera à 4 pour ce live. Ce sera la même équipe samedi. Ouais, si je ne me trompe pas de jour, c'est samedi. Donc, un live en coop, les loulous, sur en fait un jeu qui oblige à la coop. Alors je vais vous expliquer ça. Je vais d'abord faire les petits coucous et je vous explique ça juste après. Parce que je vous avais dit hein, que ce serait un serveur pour la commu avec priorité au Fenrir et ensuite bah, suivant les places qui resteraient bah, pour les loulous qui seraient intéressés et je vais vous expliquer pourquoi ça va pas être possible. Voilà, tout simplement. Mais d'abord on va faire les petits coucous. On commence par Johan qui est passé comme d'habitude. Hein, alors j'allais dire avant d'aller bosser, mais non, il joue. Monsieur joue à Palworld, c'est étonnant. Eh ben amuse-toi bien, Johan. Et puis bah tu passeras peut-être faire le petit coucou pendant le live, je suppose. Ou tu es peut-être là du coin de l'oreille et tu vas mettre un petit message. Coucou à Personaille. J'espère que tu vas bien, Personaille. Bon bah coucou forcément du coup à Gérald hein, dans le chat, ainsi que Chris hein, qui a fait le coucou aussi. En attendant Mrs. Beers. Je descends, je descends. Ça va, j'avais rendez-vous chez mon médecin pour mon suivi diabète. Je sors du suivi avec contrôle tous les 6 mois au lieu de tous les 3 mois. Ah bah ça s'améliore du coup, Persona, c'est bien ça. Un peu moins fréquent du coup, la fréquence des contrôles. Ça c'est cool. Bon. Et t'as commencé ta formation aujourd'hui. Ah bah que des bonnes nouvelles alors. Parfait. Bonjour Lyriel, comment vas-tu? Lyriel qui devrait être intéressé par ce petit jeu, je pense. Peut-être pour le tester aussi. Allez savoir. Je peux rejoindre aussi. Ah, on va en parler de ça. Je vais pas faire des heureux cet après-midi. Coucou à Kaline. J'espère que tu vas bien, Kaline. Et que tu es en forme. Bonjour à Patrice. Voilà, tous les habitués sont là. Bonjour Nomi. Je descends. Tac, 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 tac. Tout ça, je l'ai vu, j'ai vu. Bonjour à Sébastien. J'espère que tu vas bien aussi. Que tout le monde est en forme. Le petit coucou de Mira sur le chat. Impeccable. Johan, il est là. Il teste Enshrouded maintenant. Et il a changé de jeu. Ah bah bravo. Monsieur est, comment on dit, volatile? Non, il crunch les jeux vidéo. Coucou Natala, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien aussi. Tac tac tac. Bonjour à Christian. J'espère que tu es en forme, Christian. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Angélique. Lol. Et Kaline qui va très bien. Bon bah impeccable. Et bonjour à Rododingue qui arrive tout juste. Eh ben installez-vous. On va pas tarder à se lancer. Alors ils attendent mon feu vert. Hein. Je vais être le premier à me lancer. On va voir si tout se passe bien. Parce qu'il y a eu du petit souci de connexion apparemment pour Chris ce matin qui fait des tests. Moi, on a testé le serveur hier soir avec Mira et Dark, ça allait très bien. Donc on va voir ça en direct tout à l'heure. Mais petite explication sur ce fameux serveur. Donc il faut savoir que Enshrouded, c'est un jeu 100% coop. Donc on ne peut pas jouer déjà chacun dans son coin. Il peut pas y avoir, par exemple, je sais pas, je vais prendre des exemples comme ça. Nomi qui va faire son truc solo avec à côté Mira et Dark qui vont faire un duo à droite et puis je sais pas 5 ou 6 autres joueurs qui font une troisième team et qui font aussi leur truc de leur côté. C'est pas possible en fait. À partir du moment où vous rentrez sur un serveur donc privé ou autre. Hein, et coucou Taishan et merci pour l'abonnement offert du coup à ah, Chris. Voilà. Merci pour lui. Et coucou Taishan, c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, à partir du moment où plusieurs joueurs se retrouvent sur le serveur, tout est commun en fait. Il n'y a pas de système de groupage ou de, enfin, de groupe, de guilde ou ce truc-là. Mais à partir du moment où vous arrivez sur un serveur et qu'il y a d'autres joueurs, vous rentrez
automatiquement dans la coop, et tout ce que va faire par exemple un joueur va être fait pour tout le monde. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un par exemple joue de nuit alors qu'il y a personne qui est connecté et qu'il avance sur les quêtes principales, bah ça va les avancer pour tout le monde. Donc c'est entre guillemets le gros point noir du jeu pour la partie multijoueur, vu qu'en fait c'est un jeu coop et non pas multijoueur. Il faut bien faire la différence. Donc lancer un serveur dans ces conditions là bah malheureusement c'est pas possible. C'est pour ça que du coup on sera que 4 à utiliser ce serveur et à jouer entre guillemets aux heures de live. Après il sera alors je vais pas le fermer, je vais pas m'amuser à le fermer, je sais qu'ils voilà que on est que ils sont que 3 et ils retourneront pas jouer dessus, mais c'est le principe. Il faut d'ailleurs savoir que votre personnage que vous créez sur une partie solo ou sur un serveur, vous pouvez l'emmener un peu n'importe où. Vous pouvez l'emmener sur d'autres serveurs, vous pouvez le ramener sur votre solo. Ce qui va suivre avec lui, c'est son équipement et son inventaire. Voilà, donc tout ce que vous allez récupérer sur un serveur qui sera dans votre inventaire, vous pourrez le ramener sur votre solo ou sur un autre serveur, etc., etc. Donc malheureusement, ce que je vous avais annoncé, c'est-à-dire mettre à disposition un serveur pour la communauté, c'est pas possible. Alors en tout cas pas sur celui qu'on va jouer aujourd'hui et dans les jours à venir et les semaines à venir, parce que on fera plusieurs lives, je pense. Par contre, il est toujours possible que j'en ouvre un second s'il y a des personnes intéressées, mais il faut bien prendre en compte en fait ce principe. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un se connecte et fait des choses, ça va être fait pour tout le monde, même si les autres personnes ne sont pas connectées. C'est hyper important à prendre en compte. Donc à mon avis, je pense pas que ce soit intéressant dans une communauté comme la nôtre, ce système en fait, qui impose en fait d'être entre guillemets co en même temps pour profiter tous de la même chose, de l'avancée des quêtes, surtout au niveau des quêtes en fait et de l'histoire, que ça pose problème. Donc ensuite, par contre, une mauvaise nouvelle peut potentiellement une bonne nouvelle peut potentiellement chasser cette bonne nouvelle. Alors j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais hier soir, il était possible à nouveau chez Gportal de louer à nouveau des serveurs sur Palworld. Donc je sais que certains d'entre vous étaient intéressés. Palworld, la logique veut que vu qu'il y a un système de guilde, que chacun puisse jouer dans son coin s'il le veut solo ou vous pouvez jouer en binôme, en trinôme, enfin voilà. Il y a des serveurs de 10 à 32 joueurs. Enfin 10 et 32, après il y a moyen de personnaliser, mais hier quand j'ai voulu personnaliser un serveur pour voir comment ça marchait, ça chargé dans le vide, donc voilà. Donc s'il y a encore des gens intéressés par ça, pourquoi pas, je peux vous en ouvrir un aussi. Je pourrais toujours venir vous faire un petit coucou pour voir un peu ce que vous faites dessus, tout ça, tout ça. Mais ça, il va falloir en fait me le signaler soit sur le Discord en MP, soit en commentaire sous les lives Palworld. Pas sous ce live-là, c'est pas le même jeu, hein, mais sous les lives Palworld. Voilà, bonjour Nadège, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc il faut un minimum quand même de personnes. Si je vous en ouvre un, ce sera d'abord un 10. S'il y a beaucoup de monde intéressé, je pourrais l'augmenter au niveau des slots. Mais oui, 7 millions de joueurs hier soir, enfin hier dans la journée, ils ont encore battu leur nombre de joueurs connectés en même temps sur Steam. Ils ont passé les 2 millions. Donc, pour l'instant, de jour en jour, le jeu ne fait que progresser et augmenter. Donc voilà pour les petites infos. Ensuite, le rappel du planning. Demain, on va sur Fractured Veil découvrir l'Early Access. Le jeu sort aujourd'hui. Enfin, s'il n'y a pas un dernier report, parce qu'ils ont fait il y a 15 jours de ça un petit report, ou un peu plus. Normalement, ça devrait être bon. Samedi, on reviendra sur Enshrouded, donc avec Mira, Dark et Chris. Et dimanche, ce sera le lancement du Let's Play Co-op avec Mira sur Palworld. Voilà. J'espère avoir été clair pour les explications sur Enshrouded. Alors, je m'en excuse encore, mais bon, c'est malheureusement, c'est pas moi qui ai fait le jeu, hein. C'est le jeu qui est fait comme ça. Et donc, voilà, ceux qui seraient intéressés pour jouer ensemble ou avoir un petit truc tranquille sur Palworld, dites-le moi. Même si je vous cache pas que jouer sur un serveur privé en solo sur un jeu comme Palworld, je vois pas trop l'intérêt. Hein, autant jouer sur sa partie solo de son jeu et puis voilà. Mais voilà, vous me tenez au courant soit via Discord, par MP, que je sache à peu près le nombre de personnes intéressées, soit par commentaire sous les vidéos live de Palworld qui a eu lundi et mardi. Voili voilou. Et du coup, on va pouvoir se lancer. Parce que j'ai assez blablaté. Place au game. Je change de scène. Je reprends le chat. Je lance ma partie. Alors, je vais créer un perso tout simple. Ce modèle-là me convient parfaitement. Donc, je vais pas me prendre la tête. Comme ça, je fais pas trop attendre les autres. Là, voilà. T'as le temps de faire ton perso. T'inquiète. Non.
On s'en fout. Il va s'appeler Soma, bien sûr. Hein. Ah bon? Ouais, je crois, ouais. Je me suis décidé, là, comme ça, à l'impro. Créer. On joue. On rejoint. Le serveur, il est là. Il y a, bien sûr, un petit mot de passe. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont pensé au streamer. Donc, du coup, le mot de passe est caché. C'est incroyable. Et je vais vous laisser profiter de la petite cinématique d'intro. A wonder of rotten and thralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud. A ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. C'est un jeu de survie, Nadège. Voilà, l'intro est finie. Bon, vous pouvez vous lancer, hein, du coup. J'ai l'intro d'avance. C'est bon. Quel bruit, chef. Allez, c'est le réveil. Et hey, coucou Véronique, comment vas-tu? 50 ans aujourd'hui, bah, joyeux anniversaire Véronique. Joyeux anniversaire. Un compte tout rond, un demi-siècle. Ça te fait quoi un demi-siècle? Ça change pas grand-chose à d'habitude. Coucou Monsieur Chris. On va attendre tout le monde, hein. Il y a Dark qui arrive. Non mais t'es sérieux? Attends, je me réveille. Il se réveille. Il va faire tout pendant 3 heures, il va faire tous les bruitages. Empailler, arrête. Et qui c'est qu'on attend, bien sûr, hein, on vous donne dans le mille. Toujours la même, hein. Ah, qui a pas de vie en fait. Ok. Ah bah, c'est ça, de reprendre le même personnage qu'hier. Bravo, hein. Hein, bravo. C'est du propre. Alors il faut savoir les loups qu'on peut pas se... Il y a pas de Friendly Fire. Il faut savoir que sur les serveurs actuellement, sur Enshrouded, serveur privé, il y a zéro réglage. Hein. Vous mettez le nom du serveur, le mot de passe et le nombre de joueurs. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Are you ready to go? Yes. Allez, c'est parti. Vous me direz si son jeu, le son du jeu par rapport à nos voix, si c'est bon. Moi, il me semble que le son du jeu est un peu fort pour ma part. Je vais le baisser. Moi, ça va. Ouais, mais j'entends plus le jeu que vous, c'est un peu embêtant. Ouais, on va descendre à ça. On verra bien ce que ça donne. Impeccable. Allez, hop, on est parti. Il y a des trucs à trouver ici. Il n'y avait pas une note là ou un truc à faire? Non, j'y arrivais. Donc j'ai vu que Taishan c'était pas la grande forme. Repose-toi bien Taishan, hein. Prends soin de toi surtout. Bon et tout le monde qui souhaite l'anniversaire à Véronique, c'est cool. Oh oui. Oui, je débloque des plans, oui. Il y a un bouquin sur le banc. Ah yes. Bon, je vous fais pas la lecture, hein. Alors vous êtes en direct, vous pouvez pas mettre pause. Enfin vous pouvez, mais bon c'est un peu bête. Vous aurez qu'à regarder la rediff si vous voulez lire les notes. Qu'est-ce que tu veux ? T'as réussi de ? On peut taper ? Oui, on peut taper. Bon. Bizarre, je suis pas arrivé non. Ah. Je sais pas si on peut avoir du bois, t'as pensé ? Je vous. Okay. Non, il fait nuit déjà, ils sont sérieux.
Salut méga normal, comment vas-tu? Je suis en retard, j'ai beaucoup manqué. On démarre juste là, on s'est réveillé, on est sorti de l'espèce de temple et. Ah, moi la torche. Ah oui, donc. Y'a qu'une seule torche. Y'a qu'une seule torche. Oui. Ok, mm-hmm. Alors il faut savoir que Mira a triché. Elle a repris son perso du test ouais, hier, elle a déjà la torche. Deux torches, vous voyez, elle a deux torches, elle en donnerait même pas une en fait. Parle. Bah, y en a d'autres en bas. Ah. Viens des par là, y'a des trucs intéressants. C'est intéressant ici. Oh, des cadeaux. Ouais, faut faire. J'en prends un. Grenade. J'ai pris une grenade. Allez, une grenade. Reculez-vous. Oui, attends, tapez, cassez le mur, faut casser là-bas. Comment ça, vous cassez? Tapez les grenades. Ah, tu lances la grenade, voilà. Oups. Oh. Il faut encore une deuxième et puis c'est bon. Ah, je lance, je lance. Planquez-vous. Ouais. Il y a un coffre. Voilà. Oh. Alors, est-ce qu'on ramasse automatiquement? Non, on ramasse pas automatiquement, ça va. Il y a... Il y a deux tomahawks. Bah, du coup, j'en ai pris un. Je voulais voir les stats, mais j'ai cliqué dessus, je l'ai pris. Il en reste un. Vas-y. Tomahawk. Il y a du bois. Et on peut tout péter, mais non. C'est très bourrin. Hein. Coucou, petit ange, comment vas-tu? En forme? Attends, t'as pas tout cassé. Il reste les murs, l'escalier. Non, mais ça va, oui. À quoi? Faut tout péter. Tu vois? Ah, tu péter la baraque. Tu crois qu'il se construit comment le château? Tu vois? Faut des ressources. Ah, il y a une torche là. Bah, y'a rien. Une torche encore. Moi. Où? En face. Ah, oui, d'accord. Oui. Ah, il va y avoir des moches. Il va y avoir des moches. Par contre, si tu joues à 16, les torches. Non, mais ça va être un peu chaud, on va faire demi-tour. Une torche pour 16 au départ. Tant que ma première est bien. Alors, par contre, j'avoue quand même que l'intérêt de jouer à 16 sur un jeu comme ça, je le vois pas des masses quand même. Bah, ah, la difficulté, elle se met au nombre de joueurs. Donc, si tu joues à 16, le boss. Pas les champignons. Il est costaud quoi, tu vois. On peut pas? Pourquoi? Ah, parce qu'ils font plus de brume. Ah. Ok, bah moi j'en ai tapé un. Par contre, il faut pas les torches pour éviter la. Je crois pas, non. Normalement, ça limite le. Ceux qui ont des armes. De toute façon, c'est fini là. Ouais. Ok. Coucou Ephrosia, je crois que je t'ai pas salué. Je crois que t'es dans le chat. J'espère que tu vas bien. Wow. Alors on a pas de chance, on démarre de nuit. Pas de bol. Ouais, c'est pas grave. Ah, il fait froid. Ah ouais, tu vas survivre. Ou tu veux que je t'achève? Je vais survivre. Ah mince. De toute façon tu peux pas m'achever. Il y a un campement, oui c'est vrai, je sais mais... T'aimerais bien mais... Ouais j'avoue que j'aimerais bien. Là y a des moches là. Niveau 2. Moi j'ai pas du tout d'armes. Bah moi je suis aux ruines là. T'as des mains non Chris? Vas-y. Ouais mais je sais pas si ça va passer. Hein. Moi je sais pas. Bah, ils ont l'air un peu costauds quand même. Hein. Ils sont solides là. Ils sont solides. Ah, on est pas du tout ensemble du coup. Allez on est des proches. Ah tu vois que ça marche. Allez. Ouais ça marche mais. Allez. Allez. Est-ce qu'il me reste de la spam? Ah oui quand même. Un peu de lecture. Faut aller au village. Il est au village. Moi je suis en ruine là. Moi je sécurise les environs. Je tue les loups. Ah. C'était quoi ça? C'était un lapin. Deux lapins. Lapin?
à la pas dragon qui vole. Un miracle. J'ai bien aimé le lapin dragon. Hein. Quoi, il y a des ratasses. J'ai tué les rats, mais t'as pas eu peur? Ça va? Non, ça va. Je sais pas, oui, c'était un lapin dragon qui vole et puis c'est tout. Et maintenant, il a une selle, ce lapin dragon qui vole. Ok. Nouvelle quête, réclamer un emplacement pour votre base. Oui, c'est ce que je vous disais. Voilà. Tour, t'as tout démoli. Non, j'ai pas tout cassé, non. Loin de là. Je suis pas un sauvage, moi. Ok. Alors. Ah oui, le repos à l'hôpital, c'est sûr, c'est pas le même à la maison, hein, ça c'est clair. Hein. Et coucou Matt, comment vas-tu? En forme? Du coup, le jeu, il est en early access. Oui, tout à fait, Matt. Tout à fait, tout à fait. Là, il y a une note ici, Mira. Ah, il y a un truc aussi. Il y a une bestiole. Sale bête. Il était coriace, Ben Vendius. Dès que tu rentres dans la brûle. Flèche en bois, flèche en silex. Oh, c'est quoi ça? Oh, une riche. Oh. C'est le camp qui s'allume automatiquement là quand c'est passé. C'était quoi ouais. L'intérêt de venir ici, non? Bah, il y avait des coffres, moi j'ai un coffre. Ah non, non, mais là, je parle là où je suis en fait. J'ai ouvert une double porte un peu avec des ornements, tout ça, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Mmh. Ok, bon, allez, on va aller se poser, non? On va être bien. Ah, il y a un gros bim rose là. Là. Ouais. Je pense qu'ils disent qu'il faut s'installer là en fait. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est un peu comme qui dirait obligatoire. Alors, tu sors quand? Pas de date de sortie pour chez toi, pour l'hosto, encore Taishan? Eh ben, ils veulent te garder. Hein. Moi je dis qu'ils vont pas te lâcher comme ça. Hein. Du coup, alors, il nous faut faire quoi? Construisez un hôtel de la flamme. Ouais. Tu veux, je l'ai. Ça fait là. Allez, vas-y. Vise bien. Ah, t'es pas bien là. Pourquoi je suis pas bien là? T'es pas dessous le rayon rose là. Ah, mais non, mais si je me mets sous le rayon rose, on sera pas à plat. Y'a la bulle derrière. Quête mise à jour. Parlez à la flamme. Oh là là. Attendez, je parle à la flamme. Bonjour la flamme. Comment vas-tu, Madame la Flamme? Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres survivants qui somnolent dans les cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement, l'un d'entre eux vous appelle tout près. Juste de l'autre côté de la brume. Oui. Donc si jamais on éteint la flamme, ça fait dépop au bout de 30 secondes l'hôtel. Pour en fait pouvoir le replacer, en fait. Hein. Ouais. Tout simplement. Il y a un moche là-bas, là. Il est moche. Je vais aller le tuer. Je t'ai vu. Parfait. Alors. Du coup, comment on fait pour avoir les inventaires et tout ça? Non. Tu fais V pour avoir l'artisanat. D'accord, ok. Et après, c'est B, ton inventaire, ton sac à dos. D'accord. Ah oui, c'est un peu particulier, ouais.
Donc ici on a les quêtes. Ok. La flamme. Ça c'est pour upgrade la flamme. Les ressources qu'il faut. Artisan, bah, on en a pas. On en aura plus tard. Table de craft. Ok. Les traditions, donc ça c'est les petites notes qu'on va ouvrir. Il y a du lore, j'imagine, ce genre de truc. Le tuto. Ok, la map. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on se voit de loin. Ah bah Dark est revenu, mais tout à l'heure il était par là-bas. Alors, elle est où notre maison? Allez. Bah moi je vais farmer un peu de... On peut farmer avec ça. Je fais de la ficelle, je fais des tablis. J'en ai un. Pas sûr. Si tu veux. Alors, poser les tablis. Artisanat. D'ailleurs, petite info aussi, si tu ouvres l'établi, ça répare tout ton équipement. Ah, c'est pas mal. Mais ça prend des ressources ou c'est automatique? Non, c'est gratuit. Non, c'est gratos. Ah, cool. C'était le truc qui était bien, oui. Allez, on fait du bois. J'ai pas de... Je vais me faire une... Quoi t'en faire? Si, il manque une brandie, enfin quoi que. Attends, ah c'est V l'artisanat. Faut que je prenne l'habitude des raccourcis clavier. Oh bah B, t'as l'habitude. Ouais, vachement. Ça te rappelle un autre jeu, non? Ouais. Un petit jeu, ouais, effectivement. Le mouton qui s'est fait défoncer là, il a pas été loot. Bah alors. Tout petit. Ok. J'ai pas les coffres encore. Jour. Oh, j'ai fait un succès Steam. Fabriquer un objet simple, incroyable. Waouh. Ah oui, il était en pleine réflexion Dark. Ah. Les infirmières t'aiment trop. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle garde, ouais. Oui, tout à l'heure quand tu réfléchissais là, au futur de la base. C'est quoi ça? Ah, je vais aller taper deux cailloux. J'ai pas fait la... Non, j'ai pas fait la pioche. Ah, c'est ça, oui. Faire des pioches. Et pioche. J'ai plus de pierre. Et j'ai plus de brandy. J'ai plus de ficelle. Au secours. Il faut du bois, c'est ça? Non, la pierre. Pierre, bois. Bah non, il faut de tout. Et tout? Bah je fais du bois. Allez, c'est parti. Pour l'instant. Bah, de toute façon, il faut du bois pour faire des coffres, par exemple. Des coffres, on va en avoir besoin. C'est Telcraft? Moi, j'ai pas encore. Si, stockage dans l'atelier. Ah. C'est 3 ficelles et 6 brindilles. D'accord. C'est tout carré. On va tout savoir, tout savoir celui qui ronfle le plus fort des 4. Oh, c'est moi, je pense. Bon, oh, pas sûr. Ah, une compétition va être lancée. Ah, ce serait bien quand même que je me fasse ceci. Oups. Une pierre et une ficelle. Alors une ficelle, on va se la craft. Et une pierre. Ouais, non, ici. On a ramassé quoi. Ouais, d'accord. Comme ça, on a la pioche. Impeccable. Crochet, ça sert à quoi? Pour crocheter. Est-ce que le club est mieux que la hachette? 11 de dégâts. Toi, tu fais combien? 11 aussi. Bon. On fait des brindilles. En l'absolu. C'est kiff kiff. Vraiment un peu de pierre. Ah oui, alors il va falloir faire attention avec ça. C'est vrai que sur ce jeu, hein, tout est... Bon, pas... quasi tout est destructible, mais surtout, on peut se faire des mines à ciel ouvert. Première fois que tu vois un live avec Chris et Frosia, oui, c'est pas souvent. Hein. Et on a eu. Ah oui, on a eu. Conan Exile, entre autres. Mm-hmm. Ah, ouais. Ça date. Ouais, bah, puis il y a eu les vidéos sur distance et puis. Oui, les vidéos improvisées. Ouais.
Qui jouera le tavernier? Oh, alors moi je joue pas le tavernier parce que moi je suis assis mais de l'autre côté du comptoir en fait. Vous voyez? Je consomme. En général le tavernier c'est celui qui vide le plus là. On a un coffre pour stocker les ressources ou pas? Non, pas du tout. J'essaye de le placer mais... Je veux pas. J'ai du mal. Moi je ne touche pas à la construction, moi je pour l'instant je farm. Nomi pareil. Ok. Ça fait que 2 mois je suis abonné. Eh oui, Frosia. Tu es toute nouvelle. Toute neuve, presque, on pourrait dire. Ah, bah là, je suis bête. J'ai un papy juste à côté de moi dans la chambre. Il coupe du bois avec une ponce et cela toute la journée et la nuit. Hein? Ah, là, on a un coffre. On a un coffre? Oh, c'est pour mettre les ressources pour Dark. Pierre. Oula. Comment on transfère, comme ça? Et du bois. Les fibres, la ferraille, la fourrure, l'écusson de fourrure, la terre, du tissu. Ah, mais il nous met toute sa merdasse. Non, je garde les runes et les spores de brume. Mauvaise langue. Non mais... Monsieur. C'est machine forestière. J'ai des lucioles aussi. T'as des lucioles? Sérieux? Yes. Pour faire des lampes les lucioles. Ah mais j'ai tout posé mais j'ai pas fait ma pioche. Bah prends pour faire. Chaque fois je casse un caillou, je mets un coup de trop et je fais un trou dans le sol quoi. Ouais, ça m'est arrivé au départ, maintenant je fais un peu plus attention. Alors, on va faire comme ça. Mais j'avoue c'est pas évident. Quoi, des brindilles, c'est des brindilles et de la ficelle. C'est quoi ça hein? Oh, j'ai un champignon. Je suis refait quoi. Oh, mais il y en a plein des champignons. Oh, le lapin, je les défonce. Pardon pour ceux qui aiment les lapins. Mais ça fait de la viande et de la fourrure, c'est important quand même. Ah, c'était pas un lapin volant celui-là? Il y a des cailloux, hein, Dark, dans le... Ouais, t'inquiète. Si t'as besoin. Oh après, tu peux faire voir comment on fait. Il faut faire des blocs de construction. Oui, alors attends, je reprends. Je viens de montrer l'atelier, en fait. Hop. Donc, on vient ici. On fait... alors, déjà, il me faut le marteau de construction, ça pourrait être bien. Et après, des blocs de bière... Des... Pas de bière, de pierre. On parlait de taverne tout à l'heure, voilà. Ça c'est fait. Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Genre si tu mines dans le sol, tu peux trouver des ressources rares? Bon, j'imagine que oui. Donc on fait ça, par 100. Ça prend 2 pierres. Voilà. Et ensuite, on s'équipe. Alors attendez, je vais changer de... Je vais le mettre là, le marteau. Ça ici. On prend ça. J'espère que c'est ça, si je me rappelle bien. On fait ça. Et bah après on sait. Alors j'ai le tuto, pardon. On sélectionne ce qu'on veut faire. Donc je sais pas en quoi il a démarré. Il a démarré en. Ok. Je suis pas en 2 mètres, je suis en 4 mètres. Je mets un coup de halt. Halt. Ah, voilà. C'est celui-ci. Voilà. Et après, bah vous mettez. Alors là, du coup, j'ai pas assez de. Il en faut 256, donc j'en ai fait qu'un, j'en ai que 100. Mais le principe c'est ça en fait. Et donc tout est, comment dire, vous avez différentes tailles, donc c'est ça qu'on peut aller au bloc jusqu'au à des superficies plus grandes. Et bah c'est toutes les constructions, voilà, et il y a différents matériaux bien sûr. Donc ça je vais laisser faire ça à Dark, donc je vais remettre les 100 blocs que j'ai fait là, là-dedans. Qui sont là, voilà. Et ouais, je vais aller casser du caillou. En attendant. Voilà. Elle est pas belle la vie. Pour ceux qui aiment construire aussi, il faut savoir que tu peux casser. Tu peux, par exemple, tu poses une fenêtre, un mur fenêtre. Tu peux agrandir la fenêtre en cassant des petits blocs. Tu vois, des genres de pixels de. Oui, tu peux casser un bloc pixel quoi, enfin un bloc unitaire c'est, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça pour agrandir ta fenêtre et te faire une grande baie vitrée, tu vois.
des trucs comme ça. Et donc pour répondre à la question de Matt tout à l'heure, plutôt que d'aller faire un trou là n'importe où, tout se farm. Vous voyez que là, ce gros rocher, bah, je fais de la pierre dessus en tapant dessus. Quoi. Voilà. Et on peut faire pareil dans le sol et un peu partout dans le jeu. Quoi. C'est pour quand le château et les fortifications? Je sais pas si vous avez vu le screen qu'a mis Dark sur la base qu'ils ont sur Palworld. Je sais pas combien de temps ça leur a pris, mais... Pas longtemps. C'est assez impressionnant. Deux jours. C'est assez impressionnant. Ah, c'est parce que t'as mis un screen qu'on m'a dit jolie base. Ah. Ça y est, je comprenais pas, moi. C'est vrai que je te l'ai pas dit. Alors autre chose aussi à savoir sur le jeu, si je dis pas de bêtises, c'est un système un peu à la Valheim, mais puis il y a d'autres jeux qui font ça comme Icarus, c'est que il y a un système de nourriture qui va donner des buffs en fait. Donc plus d'endu, plus de je sais pas exactement quoi après hein, en termes de buffs, mais en variant votre alimentation, bah, vous aurez des buffs. Voilà. Tout simplement. Donc faut faire la popote. Donc il n'y a pas vraiment de... Comment dire de... On gère pas la faim et la soif, contrairement aux jeux de survie, on va dire, classiques. Mais il y a ce système qui va vous booster vos stats suivant ce que vous mangez. Quoi. C'est ça, je me trompe pas. Hein. C'est ça. C'est à la Valheim. Ouais, la Valheim. Je suis pas sur le bon outil. Merde. Pas de soucis, Chris? Non, c'était... J'étais en train de taper du caillou et j'ai un loup qui m'est sauté dessus, mais enfin deux coups de pioche et il était mort. Alors, c'est une question qui ne se pose pas, Sébastien. C'est Mira, forcément. S'asseoir auprès du feu, ça te repose. Ah! Et plus tu restes assis, et plus... Enfin, ça t'as 10 minutes de temps de repos. Tiens, je vais faire cuire un petit champignon. Comment tu t'assois? Comment tu fais pour t'asseoir? Vas-y, peut-être que tu... Ah, mais c'est automatique quand tu rentres dans le feu de camp, d'accord. Voilà. Et du coup, quand t'es reposé, tu travailles mieux, je pense. Ah, mais c'est trop bien. Je me rappelais plus de ça. C'est trop bien, ça. Comment on fait cuire les aliments? Ah, le champignon cuit, ça fait du goudron. D'accord. Donc là, vous voyez, j'ai mangé une baie. Image R. En haut à gauche, ça m'a mis un petit buff. Je sais pas si on peut le trouver ailleurs, ce buff indiqué quelque part. Perso, il est là, voilà. Détail du statut. C'est régénération de la santé plus 2. Bon, par contre, ça dure pas longtemps. La baie ? Oh, la petite baie. C'est intéressant, ça. Ouais, ça dure genre... Ça doit durer 20 secondes, un truc comme ça. Ah ouais, mais ça va m'aider, moi, qui n'ai pas de vie, tu vois. Après, petit morceau de viande. Santé maximale augmentée. Ah bah, j'ai gagné une barre de vie. Ah ? Enfin, une demi-barre par rapport à la barre principale, ça fait à peu près une demi-barre de vie. Donc ça, c'est de la viande cuite. Et ensuite, il y a le petit champignon qui se trouve... qui s'est mis où? Ça te fait plus de magie, le champignon? Ah, il est là. Intelligence plus 2 pendant 20 minutes. Ah, c'est indiqué, en fait. Hein. Pendant 20 minutes, plus 1 de constitution, la viande cuite. Le champignon plus 2 d'intelligence. Et donc, le fruit... Donc la baie, mais tous les fruits du coup. Plus 2 de régénération de la santé pendant 30 secondes, c'est. Woli volou. Ah, j'ai plus de stuff. Et coucou Caro, comment vas-tu? Ah, coucou à ceux que j'aurais loupé, je suis désolé. Je suis pas très attentif au chat, là, je redécouvre un peu le jeu, donc... Et coucou viewer de l'ombre, au loulou de l'ombre, que j'ai oublié de saluer en début de live. La spam descend vite. Hein. Ouais. Oh, vite. Alors ensuite, autre chose que je vais vous montrer. Donc on a vu la map, on a vu vite fait le journal, l'artisanat, alors j'ai pas tout montré, hein, mais voilà, on verra au fur et à mesure. L'inventaire, qui est géré via des slots, et il n'y a pas de poids, je crois, sur ce jeu. Hein. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Notre perso avec son stuff, son équipement,
le niveau avec toutes les stats détaillées ici. Voilà. Le statut qu'on vient de voir à l'instant quand on veut savoir les buffs des buffs qu'on peut avoir. Et surtout, le système de compétences. Avec trois branches principales. La branche rouge qui est liée à tout ce qui va être guerrier, corps à corps, donc soit DPS, soit un peu tank. De toute façon, tout est marqué. Vous savez dire comme moi. Le côté mago, avec une partie soigneur. Partie farceur, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Et après, bah, tout ce qui va être l'équivalent d'un assassin ou d'un archer, d'un ranger, appelez-le comme vous voulez. Hein. Il y a différentes branches aussi. Et donc, chacun va pouvoir se spécialiser là-dedans. On a déjà des points. Donc, du coup, moi je partirais bien sur un soigneur. Je sais que Chris, je pense qu'il veut être mage. C'était le côté qui l'intéressait. Ouais, ouais, de toute façon, moi c'était mage ou soigneur. Mage, ça me va. Coucou Moumouine, comment vas-tu? En forme? Et je sais pas ce que veulent faire Dark et Mira. On va essayer de prendre des trucs un peu différents pour vous montrer les différentes facettes. Moi, bourrin. Bourrin, voilà. Bourrin. Bourrin qui tape, bourrin qui encaisse. Voilà. Et toi, Mira, t'as envie de faire quoi? Maître de la bête. Je partirais bien sur assassin. Eh ben, allez, go. Chacun choisit son truc. Impeccable. Mais après, il y a le guérisseur aussi qui est bien. Ah ouais, je le prends, le guérisseur. Ah bon, bah c'est bon alors. Ou si tu veux prendre le guérisseur, je prends un truc en vert. Non, bah, on va partir là-dessus. Hein. Voilà. Oh, érudit, déverrouillez votre première compétence. Oui. Alors, on a les. Mais je peux pas commencer, il me manque un point. D'accord. Donc il faut gagner de ça. Donc ça c'est j'imagine en passant les levels hein. Et après bah chaque chose a un coût. Voilà, tout simplement. Oh bah ça avance dis donc la maison. J'avais pas vu. Nice. Bon ça. En forme, je vais me poser sur le live en bossant histoire de découvrir ce jeu qui me plaît bien. Ouais, alors, moi j'avais adoré la découverte que j'en avais fait sur la démo là qui durait. Sur laquelle on pouvait jouer 6 à 8 heures, là je sais plus trop. Le timing auquel on pouvait jouer. Et j'avais trouvé ça on a très cool. En 5 heures. On était tristes nous à la fin de la démo. Bah voilà, voilà. Nous on l'a fini en 5 heures. Mais on n'a pas fait exprès, on n'a pas rush. On a fait notre petite vie et tout, sauf qu'on a fait les quêtes et. Tu finis la deuxième quête et c'était la fin de la démo. Ouais, d'accord. Ouais, ouais en fait, t'avais un temps prédéfini, mais si tu suivais en ligne droite le scénario, on va dire, tu le finissais plus vite que ça, quoi. Ouais. Bah après, t'avais la possibilité de recommencer. Ouais. Ouais, par contre, c'était bien ça la démo. T'étais limité à 2 heures ou à 3 heures, je sais plus, là, ouais, c'était combien, mais. Bien que tu pouvais recommencer une game et repartir avec le compteur à zéro quoi, c'était pas. Ouais, elle était pas. Ouais, voilà, c'était fini, ouais. Ouais, ouais, elle se bloquait comme certains le font, et puis si t'attends après, t'attends la sortie quoi. Bah, allez, c'est parti pour faire de la caillasse. Alors, le système d'XP, on le voit donc ici, hein. Vous voyez que depuis que je suis passé niveau 2 tout à l'heure, là, quand il faisait nuit en tuant des mobs, bah, depuis que je farm, c'est pas dingo. Hein. Donc le farming, c'est pas une bonne source d'XP. D'ailleurs, de toute façon, je pense qu'on n'en prend pas, en fait, en farmant. Sinon, ça s'afficherait. Donc ça va être essentiellement du kill, j'imagine. Je veux faire un arc. Quand on aura un semblant de maison, on ira faire un peu la suite de la quête. Me dépêche. Bon, non, bah, tranquille. Moi, bon, je suis un peu déçu, mais... Alors, moi, du coup... une maison vite fait, on y va. Il me faut quoi, moi? Il me faut le bâton ou la baguette? Est-ce qu'il y a une différence? Baguette, ça y va. Elle lance des projectiles de glace. Ok. Set de puissance. Mm. Oups.
Alors, la baguette est ordinaire, 11 de dégâts, elle est glace, une baguette de glace. Je crois pas qu'il y ait un truc spécifique pour les soigneurs au départ, en tout cas. Non, je crois que c'est commun. Hein. Ouais. Alors, le bâton, il a juste de la puissance. La baguette, par contre, elle a plus de choses. Je vais partir sur une baguette, moi. Pareil. Un peu de pâté, un litron de rouge, et on est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas si je pars assassin ou chasseur. Du coup, il me manque quoi? Ah, il me faut des os. Ah, il faut que je tue un truc. Allez, c'est parti. J'ai fait un trou. Essayer de trouver une bestiole. Je fais une porte des deux côtés, comme ça on se coince pas. Basique la maison. Ouais, bah, écoute. Qu'est-ce que j'ai eu là? Du miel et de la cire. Ah, cool. Abattez les ruches depuis les arbres pour récupérer le miel et la cire. Attention, les ruches sont généralement protégées par le ressin. Ah, celle-là, elle était déjà à terre, donc du coup... Mais d'accord, sinon, elle se trouve dans les arbres. Yes. On peut se faire piquer, quoi. On peut. Il paraît. Il paraîtrait que... Et on peut se piquer la ruche, si c'est autre chose. On peut. Ah! Potion de soin. Wow. Un lapin. C'est peut-être le lapin qui m'avait filé l'os tout à l'heure. Ah bah il m'a rien. Il y a une note dans les tentes un peu plus bas. Il m'a rien drop, le vilain. Près du pont. T'y es là, Mira? T'y es où? Près du tout pont. Là-bas, ok. Voilà. Il y a une note, il y a des tentes et il y a une note dans la tente. Il y avait un coffre aussi, mais il n'y en a plus. Ah bon, c'est étonnant. Je me demande si ça respawn, ça, d'ailleurs. Hein? Il est passé où, le coffre? Salut Akashin, comment vas-tu? Bah, il est toujours, mais il est vide. Soma, il aime bien secouer sa baguette. Bah ouais. À base. Alors, attendez, Mira, elle est là-bas. Là où on peut pas monter, de toute façon, encore. Aller, Voilà, faut que j'aille me reposer. Ça a l'air bien efficace la baguette. Ah ouais? J'ai essayé là le mout-mout, j'arrive même pas à le toucher. Ah, attends, moi je vais le moumouter à la hachette. Hein. Donne-moi Danos, hein, s'il te plaît. Merci. Allez, on va tester cette baguette. Hein. Baguette fabriquée. On l'a bien dit. Sac à dos. On va la mettre ici. Alors, près du pont. Elle est dans toi en face. Hop. Ça va. Ah, lapin. Raté. Oh. Ah oui, elle est là. Ah, ça amène de l'XP, mine de rien, de lire ces trucs-là. Hein. 20 points d'XP, toujours bon à prendre. Pouvoir manger de la viande. Youhou. Non, parce que s'il faut que je fasse la popote, hein. Autant chasser. Tout à fait. Ce style de jeu, je prends toujours guerrier. D'accord. Coucou Bella, comment va? En forme. Et coucou à Flo aussi, je crois avoir vu passer là. Oui, coucou Flo, comment va? En forme. Il y a un peu de monde, dites donc. N'oubliez pas les poupousses, hein. Faut que ça pousse, hein. Les poupousses. J'ai pas mis le mien. Faut que ça mousse, hein. Scandale. On revient. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas moi. On fait des bêtises. Hein. Ah oui, ça fait pas énormément de dégâts. Hein. C'est mage R. Ah oui, un ça rend gouffre défi. Dangereux. Vous aurez besoin d'un grappin pour traverser. Ok. Des brindilles, quand je dis. Oh, un coffre.
avec des flèches en bois. Ah, parce que t'as eu tout à l'heure, Amira. Non, tout à l'heure, j'ai eu des potions de soin. Ah, j'en ai eu flèche en bois. Et... Ah, c'était Chris. Flèche en bois et flèche en... Ouais, ouais. Deux types de flèches différents. Mmh. Perso, ça accroche pas, dommage. Ah, oh. Le miel, ça fait de la recharge en endurance pour 3 minutes. C'est bien ça. Bloc de pierre de silex brut. J'ai trouvé des pierres de silex. Hein. Du coup, ça débloque des nouveaux blocs de construction. Ouais. Et viser la pile, voilà. C'est ça que je voulais faire. Ah, j'ai plus de stam. Au secours. Ah, la stam, c'est l'enfer. Hein. Oh, c'est quoi ça là-bas? Ah, ça devait être un bug de texture, non? Oui, certainement. Il y avait un espèce d'effet bleuté, mais... Soma Potter. Ouais, je sais pas trop, on va tester, il faudrait que je trouve un... Un truc à... À kill, quoi. Il était où mon silex? Pour se faire des planeurs, il nous faut... 2, 4, 6, 8 fourrures. Du bois de brume et des spores de brume. Ok. Bon, faut aller dans la brume, quoi. Et pour le grappin, il nous faudra 4 ferrailles chacun. D'accord. Ça va mieux, hein, Kashin ? Bon, bah, c'est cool. C'est marrant, ça. Ah. C'est quoi? Puis j'ai la pile. Voilà. Alors là, en fait, je fais de l'exploitation minière. Ah, attendez, il y a un truc que je m'interroge, là. Je fais de l'XP d'exploitation minière. D'accord. C'est grosso modo, c'est 7 par 7. Hein. Dès qu'on ramasse quelque chose. Moi, j'ai été un magicien casseur de cailloux. Un soigneur casseur de cailloux. Oh là, la réverbération du son, excellent. Ah, c'est bien fichu. C'est plutôt bien fichu. Mais du coup, la question est... C'est bien ce niveau 2 que je monte. Il n'y a pas des compétences à part à upgrade, hein, on est d'accord. Je pense pas. Hein. Allez, on va pas faire que ça. Je vais aller réparer ma pioche. Ah, ça y est, on a un château, c'est bon. Bon après-midi, Sébastien, merci d'être passé. Je vais faire une grotte, oui. Oh, on pourra y retourner hein, de temps en temps, aller taper, ça fera du silex. T'as la baraque, toi. Alors, on va mettre nos ressources. Tabouret en bois brut. Wow. Incroyable. Brindille, résine. Ah, plus de place. Du coup, l'établi pour réparer. En interagissant avec l'établi de base, on répare tout notre stuff. Donc ça, c'est cool aussi. Au moins, c'est pas prise de tête. On doit pas recraft tous les 4 matins. Ouais, Dark, il est parti. On l'arrête plus, quoi. On a du tissu ? Ah, moi, j'ai posé tout ce que j'avais, moi. À part... J'avais posé du tissu déchiré. Ouais, tissu déchiré. À part... des bûches. Il n'y a plus de place. Les bûches? Faites pas semblant que vous faites bûches. Une maison. Ferraille neuf. Ah ouais. Ça, c'est un peu juste.
tombé. Ouais, t'as vu Naomi, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est la réverbération. Je peux baisser encore un peu le son. Hein. Ouais, c'est vrai que quand on mine en intérieur, ça fait un espèce de bruitage. On va passer sur 75. Bon, par contre, du coup, tout le reste des sons va être plus léger. Hein. Logique. C'est quoi déjà ? Mage R. Ok. Je te mets du tissu là, dans le coffre là. Je sais pas si. Ah, l'objectif est là. Je vais essayer de faire des lits. Oh, lettre d'amour à la reine Jasmina. Non, c'est le sac qu'il me faut. A voir, vraiment, quelle taille fait la map ? Elle a l'air très grande. Hein. Ouais, manquer de ficelle. Oui, elle a l'air très grande la map. Merci. Faut faire des fibres, c'est ça ? Oui. Le problème, c'est que des films, j'en vois pas des masses, quoi. C'est voilà. Petits buissons, mais oui, il y en a pas énormément. Faut le temps que ça repop. Hein. Il va falloir du bois de brume aussi. Ouais, mais il faut aller dans la brume. Mais ça, en faisant la quête, on en ramassera. Non, t'as pas besoin, il y en a là-haut. Ah bon ? Bah, il y a de la brume là-haut. Il suffit d'aller taper dans la brume. Hier, j'ai cassé, tu sais, sur ma game, j'ai cassé du bois là-haut et j'ai pas eu de bois de brume. J'ai eu du bois standard. Bon bah ah ouais, j'ai pas compris. Mais alors après, peut-être que j'ai pas cassé le bon arbre, hein. Peut-être qu'il y en avait des autres. Par contre, les champignons, ça devrait marcher. Ouais, par contre, il faut de la fibre, hein, sinon on est coincé. Il y a des arbres au moins ici. Ah oui, mais là, on est plus dans la brume là. Ah oui, mais la zone de brume, elle est toute péri-kiki en fait. Bon, faut mieux aller dans la zone de brume en bas. Hein. Oui. Ah, il faut boire de l'eau pour avoir plus d'endu et qu'elle se régène plus vite. Oui. Et il y a un puits là où il y a la petite truc de puits. Ouais. J'en ai ramassé. Ah, personne me l'a dit ça. Hein. Ah bah bravo. Ah, tu l'as pas demandé. Ah là là, j'y crois pas ça. Voilà. Ils servent à rien. Je vous le dis tout le temps qu'ils servent à rien. La preuve encore. Voir. J'ai bu moi, ça y est. Et oui, en fait, il n'y a pas d'arbre dans la zone. Ah, c'est vrai brume. Que j'ai une gourde. C'est pour ça que t'en as pas eu. Alors, à moins là-bas au fond. Non, j'ai été voir. Mais à part roche, il n'y avait rien. Bah, quand on ira faire la quête. Ah, bah, je suis descendu vite fait chercher du bois de brume. Il y en a au bord. Il y a une fenêtre, mais elles sont où les portes ? T'en faut beaucoup ? Oh. Brune, de je sais plus. Ah, il y a un trou. Attends, je vais te dire ça. Ah, j'aurais dû tester ma baguette. Mira fait du logis. Planeur. Non, c'est pas pour le planeur. Si, il faut 8 par planeur. Bah, le château, je voulais montrer le château déjà. Et il faut regarder un peu. Hein. Et voilà, rez-de-chaussée. Étage. C'est voilà. Ah mon dieu. C'est un petit manoir pour le moment. Vous inquiétez pas, ça deviendra un château. Quand on aura plus d'espace, parce qu'on est limité là. Hein. C'est oui. 40 par 40. Hein. On est limité en. Il nous fait des douves ou quoi ? Tu nous fais des douves ? Alors non, ça c'est parce que j'ai posé une fondation où il fallait pas et quand tu l'enlèves ça fait un trou. Alors c'est un peu chiant et je sais pas comment on rebouche le trou. Il y a un truc. Des blocs de pierre non, de terre. Bah soit je mettrai de la terre ou soit je mets de la terre. Ah oui, il y a de la terre, c'est vrai, il y a de la terre. C'est pas les débris, ça marche pas. Je sais pas, je peux pas dire. Mais non, j'ai pas assez. De toute façon, je vais pouvoir faire un lit. Youhou! Un lit! Tous sur Mira! Non, moi je vais tout au-dessus! Ah, j'ai pas envie de mourir étouffé, hein. Merci! Ah, c'est pas drôle! Ah, j'ai une luciole! C'est cool les lucioles! Bon, faut de la fibre! Oh, y a des lucioles là aussi! Hop! Tu les vois, ça fait des petits tas et quand tu fouilles au sol, je trouve. Oh, la baguette, ça va, elle est efficace, hein. Efficace, la baguette. Ah bah, je sais pas, je fais du 26, 12-26 de dégâts. Ah, moi, j'ai plus de flèches, déjà.
Ah, un buisson. C'est plutôt pas mal, quoi. Oh, oh, y a une grotte. Il y en a encore là. Ah, il y a un pas. Y a ah, un j'ai pas trouvé bon. Une grotte. J'ai trouvé une grotte. Ah, j'ai trouvé un coffre. Ah, très chancelé. Ah oui, au secours. Défoncement et des flèches. Il m'a défoncé, lui. Ah oui, il y a une grotte là aussi où je suis avec un livre dedans. Une toute petite grotte. Page d'une nouvelle histoire. Ah, comment il m'a déchiré en un coup. Épée courte rouillée. Ah, ça c'est cool ça. Bon, c'est pas vraiment pour moi, mais. Non, on peut faire. Oh là, il y a un lit. Je peux la démonter, je crois, non? On peut intégrer dessus. Ah oui. Si on a besoin de ferraille, tu vois. Je pense qu'on récupère de la ferraille en faisant ça. Ça pique, ça pique, ça pique. On récupère des runes et du tissu déchiré. Ah, c'est bien le tissu déchiré, ça sert. Ça a rien à voir avec le métal. Hein. Le lit, bah, je le mets là-haut. J'ai un peu mal. Ah oui? Un petit peu mal. Bah mange des baies. Les baies, ça régène. 65 000. C'est vrai. Ah mince. Comment on change de... Ah c'est alt. Peut-être falloir qu'on fasse un deuxième coffre parce que là... Je crois qu'il va en falloir plus que deux. Hein. Oui bah, oui. Enfin... Avant d'avoir la taille supérieure, ouais. Salut Clo-Clo, comment vas-tu? Alors, nous avons un lit. Ah j'ai pris cher, hein, t'as vu ça? Plus le champignon qui m'a explosé à la tronche là. Bon par contre c'est cool, il y a des petits donjons à visiter là juste à côté. Là. Moi j'y retourne. Ah on y retourne les loulous, on a pas peur. Je ne suis pas un magicien de pacotille. Bah du coup on peut pas dormir dessus. Ah si. Sauf que je l'ai mis à l'envers, évidemment. Après j'avais peut-être déjà tout exploré là-dedans, hein, mais... Le problème c'est qu'on voit rien en fait. Ah voilà. Après on peut dormir mais il faut trouver des lits dans le village. Ah c'est dégueu. Bah on en a un. Déjà. Maintenant il faut plus de... Ça est-ce qu'on peut le péter ça? Hop. Oui sûrement mais dangereux en fait. Voilà. On va faire ça aussi. On va déjà faire des quoi? Stockage, ouais, il faut de la ficelle, c'est bien ce qui me semblait. Ah ah. La ficelle. Oh, il y a un coffre. Avec des flèches en bois, super. Je suis joie. On met du bois des brumes dans le coffre. Je veux que je les mette tous les coffres parce qu'on va pas les suivre toute la pièce. Dans un coin, bah je sais pas, on fait tout le sang. Moi j'arriverai pas à le casser ça. Tu veux faire une salle des coffres? Non. Pas tout de suite la cave. C'est pas drôle. Bon, mais ici on a tout fait du coup. Ah, j'aurais pu faire un. Ah, ouais, j'aurais pu faire un toit en pierre et silex. Ça fait un toit de bardeau en pierre. Waouh! Classe. Alors, est-ce que les lits ont un système d'assignation? Je sais pas. Je crois qu'il y en a eu un de craft, on peut aller regarder. Il a dû être mis là-haut. Ou pas. Ah, s'il est là.
je peux le ramasser et dormir. Bon, je pense pas qu'il y ait un système d'assignation. Si je dors, ça fait quoi? Je suis reposé. Je manque de chaleur. Confort niveau 6. Vitesse de la Ça nuit manque fois le 15. confort, ouais. Hop. Veux pas te lever, s'il te plaît? Non, je veux pas faire ça en fait. Ah, voilà. Hop. Ok. Les bruitages sont bien faits. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais j'aime bien l'effet de Ah, résonance quand ça, on est dans j'en quelque avais pas. chose ou. Bien fichu. Tu lui fais à manger, on est d'accord? Tiens. Non, mais j'ai ça, tiens. Ouais, en échange. Oui. Ça, tu t'en as besoin? Attends, je voudrais récupérer celui-là. Je peux pas le récupérer ici. Je te mets un de chaque côté pour l'instant. Je les range. Canne spirituelle alchimiste. Bon. C'est bien ça, non? J'ai rien eu en farmant ça? Ah si. Ah non. Luciole. Brume liquide. Ça repote pas vite, hein, les brindilles et tous ces trucs-là, là. Fibres. Ah mince, ça se ramasse en fait, ça. Elle est petite en tout cas. Il va manquer juste la ficelle en fait. Oh d'accord, on peut monter les collines d'une manière complètement cheatée. Ma maison ressemble à la cabane dans les bois. Ça crée de l'immersion quand le son est bien fait. Attends, Ouais, je moi range j'aime bien ça. l'espèce des caissons de résonance là quand on. Quand on est à l'intérieur de quelque chose, c'est rare d'entendre ça dans un jeu. Bon, je vais aller poser ce que j'ai farmé. Alors, est-ce qu'il y a eu du rangement de Non, t'es fées? sérieux? Oh merde. La cire, le goudron. Il y a un rangement préétabli, Mira? Voilà, j'ai mis les ressources de base et puis le reste pour l'instant. Ok. Je voudrais essayer de vous faire des planeurs, mais pour ça, il me faut des labradis. Je vais descendre dans la brume. Vous voulez qu'on aille faire la suite de la quête un peu pour changer là? Et puis comme ça on farm en même temps à 4 sur place. Vois? Alors, je vous laisse des potions de soins dans les coffres. Ah, j'ai 4 J'en ai ferrailles là. 4. Ah, ça c'est intéressant. J'en ai aussi, mais ouais, je vais tout reposer. Par contre, on est d'accord que tout ce qui est fourrure, tout ça, c'est plutôt ici quoi. Si tu veux. Enfin, la fourrure, pour l'instant, je l'avais sur moi parce que j'en avais besoin. Mais Une ficelle. je Un peux pas os. faire les crafts. Des flèches en Ah, bois. la ficelle, il m'en faut. Ah, ça, je veux ça. La brume Hop liquide, là. je vais la mettre là. J'ai des livres anciens à mon avis. Ah si, matériaux. Et les lucioles aussi, c'est des matériaux. D'accord. Alors ça, oui. Et les spores, elles servent à quoi? Je les pose. Bah, j'en ai besoin pour faire les grappins et pour faire les planeurs. Ah ben J'ai mis des potions de soin j'ai posé. dans le coffre. Non, je veux pas parler à la flamme. Non, Ok. non. J'en ai pris une lame. Ouais. Ah mais non, mais J'ai la viande de loup, posé. elle s'est déplacée, la vilaine. J'ai posé les Comment. runes aussi dans le Est-ce coffre. que vous êtes bien reposé? Ça va. Mage. 10 minutes Oui. 55 de. Non, c'est pas ça. Ah, tu le vois où ça, ton timer? Au-dessus de la scie, quand t'es dans la Là. maison. Ah, d'accord. Trier, stockage, dépôt de piles. Comment on divise? Je veux pas faire de conneries. Tu fais clic droit.
Ah, ok. Je voulais pas faire une connerie en... tu sais, en... Ah, c'est inconsommable, ça, d'accord. Ouais, je voulais pas faire une connerie en consommant la potion dans le coffre, quoi. Je sais pas si c'est possible, d'ailleurs, dans le jeu, mais... Ah, la viande de loup, c'est plus de Oui, Matt, tout à fait, oui. Alors, je sais pas, la... je connais pas la compétence, c'est H. Voilà, t'as... Bah, en fait, t'as 3 grandes branches, et dans chaque grande branche, t'as 4 sous-branches. Voilà, moi, je suis parti pour être guérisseur, pour le moment. Soma, t'as plus de baie ? Non. Non, j'en ai plus, non. Tiens, je t'en mets. J'ai trouvé qu'un seul buisson depuis le début. Divisé. Parce que t'es pas en forme. Hop, voilà. Bah ouais, je sais. Je me suis fait éclater par un moche sous terre. Je vais rééquiper mon arc. Bon, bah moi je suis prêt. Bah, un coco, alors. Attends, on attend que Dark il fait un truc là. Oh, pardon. Non, mais vas-y, vas-y. Ah non, mais Dark, si tu l'arrêtes pas, il va jamais s'arrêter de construire. Hein. C'est. Dark, c'est Game of Thrones. Vous êtes ready? Oui. Yes. Du coup, il faut aller. Bah, en gros, tout droit par là, quoi. Bah, faut prendre le pont, non? Enfin... Sur le pont, bon. Il y a un pont. Moi, je suis descendu par la brume. Non, il faut... Oui, il faut descendre à côté du pont. J'ai envie de faire une glissade, mais on peut pas. Je sais pas, moi, j'ai glissé, là, tout à l'heure, le long de ça, là. Ouais, tiens, ça glisse. Glissons. Hop là. Je descends par ici, Bah, ouais. Ça passe, hein? Alors, non. Mais je fais des brindilles. Ah, mais sur la boussole, c'est indiqué la quête. Par contre, faut qu'on reste groupir parce que sinon. Et il faut rester sur les chemins aussi. Éviter des gros champignons, ouais, ouais. Et il faut pas trop traîner. Oui, on a 5 minutes. Hein. On les a plus, mais. J'arrive. Je ne cours pas, hein. Parti casser un arbre. Casse dur ici. Hein. Oh. C'est important les ressources. Oh, de la sifflelle. Oh, ça c'est trop bien. C'est de la ferraille ça, non? Oh, oui, c'est de la ferraille. Il est pas cassable, je suis triste. Ah oui, de la ferraille, c'est bien la ferraille. C'est bon? Ouais, plus ou moins, ouais. Dites s'il y a des notes à trouver. On se tient au courant pour les notes. Hein. Ah oui, les notes. Ah oui, quand même. Mais oui, 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 oui. Bon, il faut aller par là, par contre, hein, si on veut trouver notre bonhomme là. Alors, à moins qu'il y ait une entrée de grotte ou je sais pas quoi. Ah, il y a un passage, pardon. Ouais, tu suis le chemin. Je suis. Groupir, restez groupir, oui. Bon, moi je suis soigneur, je reste derrière, mais j'ai pas de soins. Pas de sorte de soins. Je ressuscite par contre deux fois plus vite les gens. Ah, ah. Faut un début à tout. Le soigneur qui sert à rien, quoi. Faut monter. Oui, oui. Non, mais je vais voir s'il y avait pas un coffre en dessous. Monter là. Ah. Moi non. Ah, vous êtes synchro. Aïe. Ah, je vais me péter les jambes. Et voilà, on a traversé la brume. Il y a une latte là. Fallait vraiment monter là-haut? Bah oui, et traverser la brume. Où est l'emplacement cartographié? Oh. Je trouve plus le chemin. 800. Voilà, il y en a ici de la... Et de la fibrasse. Euh...
Il faut continuer. C'est le pont. Elle était où la note en fait? Ouais, il faut continuer par là-haut. La note a été dans la tente. La tente. Ok. Ah, ça tire là. Viens le temps. Ah, il y a un peu de camp. Ah, ah si. On est sur un moche, toi. Ah, tiens. Ouais. Qui c'est qui a pas de gourde? Ah, voilà. Moi j'ai des trucs sur moi. Il est sur Soma. T'es reparti. Sur moi? Pourquoi? Ouais, il t'a vu sur le pont, il était en contrebas derrière le pont et il tirait en fait. Ah le vilain! Il a voulu ma peau. J'ai glissé, chef. Mal au ventre. Ça y est, ils sont morts de rien. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, oui. Yes. On est là, mais... Les buissons peuvent vous cacher. Ah. Oui. Ça charge. On peut tuer quelqu'un dans le dos. Oh. Oui, un essaim d'abeilles. Qui a attaqué Chris. Ouais, bah, go les défoncer. Hein. Faites attention aux essaims d'abeilles. Vas-y, il est sur moi là. Chris, t'as vu? Oui, j'ai vu, oui. J'essaye de me sauver, mais. Il y a un livre là, bah une feuille. Ah, mais t'as tes abeilles sur toi en fait. Attends, je te ressuscite. Ah, bah oui, mais. J'ai essayé de soigner, mais je sais pas. T'as chopé du miel? Non, j'ai attends, rien pris, attends. Mais... Le problème, c'est que j'ai l'aggro sur les abeilles maintenant, donc. Comment on s'en débarrasse? Bonne question. Tu les tapes? Non, on peut pas. Elles sont pas ciblables. Enfin, avec ma baguette, je peux pas en tout cas. Si. Ah bah moi je peux pas en fait avec la baguette. Ah oui, 35. Ok, je les ai quasi one shot. Attends, je vais raise. On peut le faire à deux? Non, ah, mais je ressuscite en 3 secondes moi. D'accord. Il y a une échelle là avec un bouquin en haut. Si vous voulez. Moi ça monte tout seul, c'est bien ça aussi. Moi je vois les fesses à Mira. Ah oh. Est-ce que je dis que c'est une vision d'horreur ou une vision intéressante? Il y a de la gourdasse. Mais en fait, tu récupères de l'eau en tapant les espèces de trucs en tissu là. J'ai une potion de mana. Non, ça a pas l'air, et ça? J'arrive à lui faire du dégât. Mais décidément, ça se putain, moi je me pète les jambes à chaque fois. Enfin, je lui fais un de dégâts quoi. Oh, tout le monde a lu la demande. Ouais, t'as lu celle et en haut. Il y en a une en haut aussi. Chris, il y a une échelle là. Ouais. Là, il y a une échelle ici. Ah, oh, j'avais vu, ouais. Oui. J'avais vu, non. Je suis pas monté. Génie. Ça, on pourra jamais le péter ça. Pas grave, t'as un truc pour réparer là. Ah bon? Bah oui, l'enclume ici au milieu. Cool. C'est rigolo. Ouais, mais bon. Ça casse pas, ça casse pas. On fait des dégâts, mais. Ah, y'a un bidon rouge. Non, pas taper, pas taper, pas taper. Ah, attendez, je vais le faire péter. Attends. Ah. Ah, pas de dégâts. Mais si, mais le problème en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est au moment où on lance le sort que le curseur apparaît pour viser. Donc ça sert à rien en fait. T'es obligé de rectifier le. Génial, hein. Oh, c'était des anciens forgerons. Oh là là. Attention, il y a encore un moche. Et note. Rien. C'était appris baguette d'invocation.
Y'a un truc par là. Ah yes, bien vu Chris. Y'a un coffre. Vas-y, prends. Ah, il faut un crochet, pas de crochet. Ah mince, attends, je peux en craft un. Attends, artisanat, crochet, je peux en craft un. Fabriquer. Bien, bien. Crochet requis. Yeah. Ouh, alors, une masse magistrale en verre, une hache de bourreau en verre et une masse en étoile métallique en verre. Donc des armes de mêlée là pour les cacs. Je mettrai ça dans le coffre à la base. Bonnes petites armes. Mais Mira, arrête en fait. Mais il est petit, c'est cassé. C'est tout cassé. Tout cassé. Bon, je pense qu'on a tout fait ici. Et est-ce que j'ai... Ouais, j'ai dû consommer mes crochets là. Oui, c'est une utilisation. Ok. Par contre, il n'y a pas de mini-jeu, tout ça. Tu fais E et ça crochette. Voilà, ça fait une animation, ça crochette. Ouais. Allez, regardez les buissons pour se cacher. Bam ouais. Tu te cacheras pas. Pour l'invoquer, il faut retourner à la base, quoi. Ah, par contre, ça donne des fibres. Bah oui. Oui, c'est oui, bien, faut retourner à la base. Il y a le retour rapide, on n'est pas obligé de retraverser la première. Ah bon? Ouais. Oui. Sérieux? Pas d'abeilles? Ah. Pas d'abeilles. Trop bien! Dommage qu'il n'y ait pas de mini-jeu de crochetage. Oh, moi ça me gêne pas sur un jeu de survie. Vous êtes tous repartis là? Ah non, moi je fais de la fibre là. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, moi je me suis barré comme un sauvage. Hein. À balle. Des sauvages. les baies. Os, c'est pas là. Trier le stockage. J'ai. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'on y met d'autre là-dedans? On y met ça. En tissu déchiré, ça va pas là-dedans. Je suis désolé. Moi, c'est de l'autre côté. Hop. Ferraille. J'ai rajouté encore des ferrailles. On a 19 ferrailles là. Ouais, c'est bien. Ça va être utile pour les armures. Okay. Ça va être utile pour les crochets déjà dans un premier temps. Oh, tu penses? Bah oui, il nous faut les crochets pour aller de l'autre côté, pour monter. Oui. Ah, les crochets, non, pardon. Faut 16 ferrailles en tout ouais. Si on veut chacun un crochet. J'étais pas là-dessus, j'étais sur les crochets de crochetage en fait. Non, pas les crochets de crochetage. Ah oui, les crochets de crochetage, ouais. Je dis toujours les crochets de crochetage. Il faut, vu qu'on est 4, et t'imagines à 16, oh l'enfer. Oui, et 4, il faut 4 fois plus de. Faut 16 ferrailles en tout, 28 ficelles et 40 spores de brumeur. Ouais, et le planeur, c'est pas pour maintenant. Comme elle disait, Mira. Et pense après aussi les armures. Hein. Les armures, les plaques métalliques et tout. À 16. Je sais pas comment tu trouves la ferraille. Hein. Je sais pas. Ouais, tu mets du temps. Tu t'équipes un par un. Déjà, nous, on avait un peu. Hein. Bah ouais. Ah oui, alors les. Oh purée, y'a pas de place dans les coffres. Si, ouais, je mets les armes dans le coffre où il y a la pierre, tout ça, là. Les nouvelles armes, là. J'ai une potion de mana. Ça servira pour Chris et moi. Ah, j'ai des champignons à cuire. Alors, on va faire un peu de cuisson. C'est parti. Conan le barbare, c'est Soma. Je suis pas un barbare. J'ai une baguette. Laisse-moi tranquille. Oh. Ils vivent comme des sauvages. Non mais, calmez-vous. Oh. Ouf, un buisson avec des bêches, j'en avais plus. Et vous voyez, je fais la cuisine, là, j'aime bien. Hein. Mais non. Ce survivant sera d'atout pour notre cause. Placez-le dans votre base avec une baguette d'invocation que vous pouvez fabriquer à partir de simples brindilles. Ok.
Alors. Artisanat. Baguette d'invocation, ça se fait là. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas centré. Bravo. Allez, on casse tout. Bon, alors, je pense qu'il faut recommencer. Ouais. Arrête, il en serait capable. Faut pas trop le pousser, il va y arriver. Baguette d'invocation. Mais dis pas ça, jamais. Tu sais, elle le sait parce qu'elle m'a déjà vu faire hein, des bases sur arc construites énormes. J'étais décalé d'une fondation, j'ai tout cassé pour recommencer. Hein, je... Donc c'est pour ça. Elle a l'habitude maintenant. Non, c'est pas ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut épingler les recettes. Ça, c'est bien quand même. Hein. Alors, je le mets où notre gus? Moi, bon, je le mets dans la maison, mais. Ouais. Mets-le. Oh, tu veux. Mets-le dans un coin pour pas qu'il nous fasse chier. Ou qu'il mette au milieu. Ouais. Là, je crois qu'il bouge quand même. Là. Alors, mon gars. To flame and glory. Je suis en train de vider la forêt de toutes ces brindilles. Je crois que j'ai fini. Et donc, lui, il peut nous faire tout ça. Donc, les armes et les armures. Logique, hein. Ouais. Ainsi que des clous. Une forge, four à charbon, plein de petites choses sympathiques. Ça, c'est ce qu'il faut lui préparer parce qu'après. Vous avez réveillé vos... après. Ouais, vous avez réveillé vos proches, la flamme est satisfaite, cherchez d'autres survivants qui dorment dans les hautes pâtures. Oh. Si on veut. D'abord. Ok. Et bonjour. Nouvelle tradition, généralité. Eh ben, ah ouais. Soma est devenu Sanji, le cuisinier personnel de One Piece. Ah là, je serais plus chopper, lui, je soigne. Choppy chopper. Tu remarqueras qu'à mis à part Mira, on s'est tous fait des persos avec des queues de cheval. Bah ouais, mais non. Pas de queue de cheval. J'aimais pas la queue de cheval. 83 fibres. Du coup. J'ai une fenêtre qui dort. Bonjour. Rends-moi ma fenêtre. Comment voilà. Ça, c'est quoi ça déjà? Je m'en rappelle plus. Ah, pousse-toi. Ah, bah, intelligence plus 2. Voilà, plus de cervelle en mangeant des champignons. 1, 2, 3. Entrer dans le puits de l'élixir, hein? D'accord, ici. Forger une arme? On était pas loin d'un truc où on peut forger une arme, on n'a pas validé du coup. Ah, t'as le forgeron à la maison? Non, mais c'est dans une zone spécifique là. T'as des points d'intérêt là, des points d'interrogation. Mais. Qui c'est qui a pas mis le plafond là? Donc plus que la grande table, la viande et la bière. Ou le chat dans le sort. Est-ce que je vais avoir la place de les ranger aussi? De ranger quoi hein mettre... Dans le premier coffre. Hop. Oh, tu sais quoi, ce sera mis comme ça. Hein. Dans le coffre à bois quoi. Oh, j'ai... je sais plus ce que j'allais faire. Salut Alain. Je sais même pas pourquoi je lui réponds à Alain, mais... Quoi? En semaine, en fait, il fait, il fait un coucou depuis le boulot, mais il regarde pas et il n'entend pas. Ah, ah oui. Donc nous avons des planeurs. Yeah. Au secours. Et maintenant il nous faut des crochets. Donc il faut... Oh purée, c'est 7 de ficelle. Sa mama. Je vais pouvoir faire un grappin quoi.
Sont où les planeurs? Sont où les planeurs? Sont où les planeurs? Dans le coffre. Merde. Oh, succès. Chute libre. Fabriquer ou récupérer un planeur. Ça, wow. C'est bien parce que du coup, je peux fabriquer et ça vous enlève pas le succès. Qui veut son crochet? Oh. Ah oui, d'accord, c'est violent. Ah ouais. Ouais, il me faut des sports. On récupère comment les sports en fait? Dans la bonne. Sur les champignons blancs. Tu veux que j'aille en chercher? Je vais en chercher, je vais en chercher. Ah, il y a encore du silex ici, les loulous. C'est quoi ce bruit? De toute façon, t'as découvert une mine de silex en Soma. Oui, je sais. Je vais aller l'exploiter après. Sur les champignons blancs. Oui. Les tout petits là? Oui, il y en a qui se ramassent, il y en a qui se farment à la hache quoi. À la hache. J'ai plus de stun. Parce que moi sur les champignons j'ai eu. Ah non, c'est celui-là peut-être. J'ai eu. De la brume liquide là. Ah oui, pardon, c'est de la brume liquide. De la merde. C'est quoi que tu veux? Des sports. Des sports. Oh non, je cherche. Allez là. Faut te plaire. Ok. La pierre. Bon, liquide aussi, ça, ça donne. Des sports, des sports, des sports. Non, mais si c'est sur les moches, bah c'est. Sur les moches, hein. Je crois que c'est sur les moches, oui. Oh, t'as gazé le poteau. Ouais, ils m'ont pété. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre. C'est qu'à pas récupérer son planeur. Ah oui, c'est sur les moches. Ah oui, les sports, c'est ça, d'accord. Et du coup, j'ai pu faire caca. Mais t'en donnes pas tous, hein. Il y a un grappin. Voilà. Il y a de la viande. Et je vais remettre des baies dans le coffre aussi. Ok. Je vais juste en garder un petit peu pour moi. Un tout petit peu. Ah, ça fait du bien. Par où ça passe? Ah, ça fait du bien de voir que c'est un peu mieux centré. Là. J'ai rebougé mes poteaux là. Je te jure, ça m'aurait perturbé toute la journée. Hein. On va se mettre un truc du tapis, tiens. Histoire de... Alors mon perso, j'essaie de jouer, on va dire RP, hein, c'est-à-dire que je n'utilise que ma baguette pour les combats. Faut que je ressorte de là, par contre, parce que... Et la hache pour casser les matériaux, du coup. Parce que la baguette, par contre, c'est un peu naze. Fleur d'auréoline. Oh, le silex qu'il y a ici, regardez les loulous. Ouah, tout ce silex. Mais bon, à flanc de montagne, à farmer, compliqué. Coucou Mrs. Beers, comment vas-tu? Dans tous les cas, Soma, Chris a un problème, tu as vu la tronche à Mjolnir. Mais c'est... Il a changé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moches là à tuer pour avoir des spores? Aïe, putain, mais à chaque fois je me casse la figure, je perds des PV, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que... Mais... Yeah. J'arrive pas à le mettre...
l'autre qui est enfoncé dans le sol. Non, non, ça fait moche. Ah, mais ça, c'est parce que tu l'as pas récupéré, t'as construit au-dessus. Tous les coups. Fait nuit. Est-ce qu'on descend là-dedans, les loulous? Je suis pas convaincu. Hein. On restait sage. Hein. Où le delta plane? C'est quoi déjà? Magère. Ah, le magère, il est pratique hein, quand même. On va pas se mentir. Ok. Il te tend les bras. Le silex, ouais. Bah bon, je vais plutôt farmer celui-là qui est à côté de la maison. Oh. Des fibres. Ah, là, il y a des fibres là. Il faut, je pense à les ramasser quand j'en croise parce que j'ai pas le réflexe encore. J'avoue. Voilà. Il y en a pas beaucoup. Ah ouais, ouais, il faut vraiment y penser. Ouais, par contre, la baguette pour taper les mobs, style animaux, c'est chaud. Ouais. J'ai pas réussi d'en avoir un seul pour le moment. Aïe, j'en ai eu un. Bon, je te ramène des spores, Mia. 12. Pas terrible, mais bon. Je suis parti en chasse aux lucioles, là. Je te mets de la viande crue, viande de loup. Ouais. Tu peux pas avoir une arme dans chaque main, genre une baguette et une épée, genre à la Gandalf? Non, je pense pas. Non, c'est quel que soit l'outil qu'on équipe, il est en main droite. Enfin, l'outil, l'arme, même la torche, elle se met pas dans un slot à part. Attends, je vais refaire un coffre pour la bouffe. Les sports. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que j'ai les trucs sur moi. Si. Moi je t'ai mis des sports, Mia. Ah, c'est okay. Je vais en récupérer une aussi. Je vais garder ça. C'est quoi ça? Ah, un crochet à grappin. Cool. Oui, c'est ce que j'essaye de faire pour tout le monde, mais que c'est compliqué. Ouais, j'ai dit, je vais faire un coffre pour la bouffe et les soins. Hop. Ah, du coup, je sais pas où mettre ça, moi. Ça là. Ah, je voulais de la pierre aussi. Pour voir avec lui si je peux lui faire sa forge. Et puis bah, on va mettre ça là. Ah, ils font du charbon. Comment on fait du charbon? Attends, je fais un test. Ça. Ouh, la vache. Pas d'espace libre. Ah si. Bah, pour faire du charbon, j'imagine c'est avec la fournaise qu'on va en faire, non? Bah non. Non? Pourquoi j'ai l'hôtel de flamme sur moi? Je viens de te l'envoyer, j'en avais crafté un tout à l'heure. Mais non, c'est toi. Je voulais voir si on pouvait, et en fait oui, je peux t'envoyer les items directement. Super. Ah, c'est pratique. Bah oui, mais... Regarde. Tu me remplis les poches. Je vais offrir un champignon à Soma, tu vois, voilà. Ah, nice. Je sais pas ce qu'il va... Je sais pas ce qu'il va en faire. Il va le cuire, il va le cuire. Il va le cuisiner. Putain, il s'est mis où? Ah, j'ai une viande aussi à cuisiner. Ce qui est bien, c'est que la cheminée, on peut s'asseoir à plusieurs. Ouais. Bon. Il est où? Oui, oui, pardon, je m'étais absenté 30 secondes. Ok. On a nos 4 lits ou pas? Ah non. Alors? La glande, hein.
Pas dire, mais la tendance laisse à désirer. Hein. Me tape pas bien. Tu veux que je fasse délit? Je veux bien que t'essayes, mais vu que c'est moi qui ai tous les matériaux. Bon, bah, je fais pas de. Ellie, qu'est-ce qui me manque? Il me manque de la fourrure. Comment ça, matelas rudimentaire? Ah, oui, je peux faire des didi maintenant. Oui, mais peut-être pas, non, en fait. C'est plus chiant à faire, non? Bah, je sais pas, en fait. Faut de la fourrure. Ouais, non, on va se contenter du matelas rudimentaire et puis on fera des lits plus tard. T'as raison. Ouais. Bah, vu qu'on peut les ramasser en plus, les matelas. Qu'est-ce que je veux dire, quoi? Oui, je vois. Alors, tu t'en occupes du coup ou tu veux que je le fasse? T'as envie de le faire? Bah, je sais pas, c'est juste une question. T'as tout sur toi, vas-y, fais. Moi, je me casse. Quasiment. Ouais. Je vais aller piocher ma mine. Si je retrouve où elle est. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai mangé un truc, je sais pas ce que c'est. La mine, elle était par là, normalement. Le tissu. Hein. Tissu déchiré. La mine. Tissu déchiré. Il me manque 3 matelas. Elle est là. Alors, par contre, de nuit, ça va être folklorique. Hein. Parce qu'en fait, on voit rien. Il y a quand même le petit cercle bleu là de. Qui illumine un peu, mais. C'est chaud quoi. Ah, la Stam, c'est l'enfer. Bah, il va falloir penser à se faire des systèmes de marche hein, pour remonter parce que. C'est bon, on a des lits. Ah, on essaye de tous dodo. Je rentre. Juste pour voir. Comme ça, je verrai mieux pour farmer. J'avoue, les lits sont pas encore faits. Il manque les marshmallows au coin du feu. Ouais. J'en ai mis un à l'envers. Faut le remettre au droit. Oh non, c'est bien. Ça, tu dors avec l'odeur des pieds de ton voisin. Trop cool. C'est... Ah, comme comment ça, ça passer tu... d'espace libre. C'est bon? Moi je prends celui qui est à l'envers. Allez hop, je vais prendre celui-là. Hop. Je peux pas. Ah. Le jour s'est levé là, non? Ouais. J'ai récupéré le champ du coq. L'atelier. Oh, j'ai récupéré l'atelier. Mais non. Tu l'as ramassé? Bah, de l'étage, hein. C'est bon, Chris, tu peux te lever. Ah oui, quand même. Comment je me lève là? Tu avances. Non, tu avances. Tu avances, mais. Avance, non. Ah oui, ça y est. Bon, ah, tu avances sur Q. Correctement. C'est la fin comment du jeu. Comment veux-tu? Un peu plus. Oh, quand même, tenue. Chris, un peu de tenue. Voyons. Comme ça, il a dit tous sur Mira. Comme Soma, il a dit tous sur Mira. Bah oui, c'est la base, non? Enfin, je sais pas. Bon, elle avait pas l'air d'accord tout à l'heure, mais. Bah, elle changera d'avis, vous inquiétez pas. On a un lit géant, comme ça. Elle changera d'avis, vous inquiétez pas. Non, ça va, oui. Putain, elle a mis du temps à réagir quand même. J'étais concentré. La stamina, c'est l'enfer. Je vais boire ça. Comment? Mais ça reparti. Moi aussi, il fallait encore du bois. Bah oui, parce que là j'ai mis un autre four à charbon pour faire du charbon. D'accord, ok. Tu vois, pour qu'on puisse faire des plaques. Non, et puis surtout qu'on puisse lui faire son atelier à lui. Bah oui, c'est ça. Donc il faut le charbon. Et vu que c'est quand même assez long à faire, mine de rien, le charbon. Ouais, 7 de ficelle. Ah oui, c'est ça.
Limite, tu me demandes même s'il faut pas faire deux trucs à charbon. Ouais. Pas pour le prix que ça coûte, hein, c'est que de la pierre. Hein. On peut le faire. Hein, c'est... Bah écoute, et la pierre, je t'ai l'air posée au moins. Parce que j'en avais pris. Non. Ah d'accord. Ça va être de la pierre, je suppose. Ok, pour l'instant, on peut remonter, y a pas de souci. Y'a un projet là. Y'en a qu'un. Oui, je sais. Non, mais j'allais pas le prendre. Mais bon, si tu le prends, tu le reposes au pire. Ça fait le succès. Ah non, mais moi je l'ai déjà. Oui. Tu l'as déjà. Ah oui. Oui, bah... oui, oui, oui. Pardon, excuse-moi du peu. Toi, t'as déjà joué. Oui. 6, 7. Je vous laisse, je retourne au bosser. À... Bon courage, Frédéric, et merci d'être passé. Dis donc, j'ai pu faire toute la. C'est gentil. Bon courage pour le taf. Faudrait que je fasse des petites ouvertures sur les toits là. Vas-y, tuer des moches. Ah, un deuxième grappin. Oh là, c'est pire. Pire. Moi je veux bien. Ah, est-ce qu'on va réussir à tomber sur autre chose? Ce serait intéressant. Hein. Il manque de la ferraille, ce serait très bien. Ouais, je me doute, mais. Attends, la ferraille, j'en ai là. Je descends dans les profondeurs. Ah non, j'en ai plus. Tiens, d'ailleurs, les arbres, on va les mettre de l'autre côté. Hop. D'espace. Il y a un peu de silex à nouveau ici. Faut que je m'en refasse une hache parce qu'elle commence à être mal en point. Bah, tu l'as réparé. Tu l'as réparé? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, dans l'établi. J'allais réparer ma pioche. Je pense que je vais me faire une autre pioche parce que si je dois faire des allers-retours à chaque fois que. Je vais me faire plusieurs pioches. Oui, je vais réussir à remonter la preuve. Ne vous inquiétez pas. Les silex servent à fabriquer quoi? Salut Cyril BDX. Bon, Cyril. Et c'est une très bonne question. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé les crafts pour le moment, notamment les crafts que propose le forgeron. Mais on peut lui poser la question. Les pierres de silex pour l'instant. J'en vois pas l'utilité. Mais elles vont bien servir à quelque chose, à un moment donné ou à un autre. Hein. Alors peut-être ici. C'est des matériaux de construction, en fait. Donc j'imagine légèrement différente de la pierre et peut-être un peu plus résistante. Alors ça c'est de la supputation. J'avoue, je suppute. D'ailleurs je vais les poser mes matériaux. Et non, si je veux me faire une pierre, une pioche, enfin j'ai plusieurs pioches je veux dire. Pioche. Il nous propose pas des nouveaux outils, le forgeron là. Bah pour l'instant, il n'a pas de forge, donc il peut pas te proposer grand-chose. Non, il a que la pioche rudimentaire, de toute façon. Ok. Par contre, quand on aura... fait son établi, je pense qu'on pourra faire plus de choses, mais c'est pareil, il faudra de la ferraille. Pioche 11 de dégâts, pioche en pierre, et lui, c'est sa pioche, elle est... Ah oui, elle est mieux, sa pioche rudimentaire, en fait. 17. Mmh. 8 de ferraille, un bois de brume. Bah, je vais me la faire. M'en faire une non. Au moins. Non, non. Comment ça, non, non. Non, non. Ah, mais Mira, sérieux, elle me bride. Vous avez vu les loups, vous êtes témoins. Je suis bridé dans mon métier. On a besoin des crochets, on a besoin de la ferraille. Des crochets pour faire. Bah, pour monter. Ah, il y a une chèvre. Je veux la chèvre.
Mais les crochets, c'est pour crocheter les coffres? Non, non. Grappins. Les grappins. Ah. Exprime-toi mieux, hein. Sinon, ça va mal se passer. Pierre, brin, les ficelles. Mais tu veux faire quoi? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Je sais pas, je verrai bien. Brindille. Pierre. Et on a la ficelle, oui. Ah, je vais me faire deux pioches de plus. On va pas être trop gourmand. On met tout ça là-dedans. T'inquiète, tu l'auras un jour. Un jour. Oui, voilà, je prends trois pioches normales et puis basta. Hein. Je vais pas mourir. Hein. C'est pareil. Hein. Coucou Sophie, comment vas-tu? En forme? Allez, on est reparti. Combien il me reste de temps sur ma flotte? 10 minutes. Ah non, ça c'est le reposer, pardon. Bon, il doit rester 5 minutes, un truc comme ça. Bon. On est reparti. Que si on pouvait tomber sur un gisement de fer ou de je sais pas quoi, enfin, ou de ferraille, je sais pas si c'est de la ferraille qu'on peut trouver en gisement, ou même de charbon potentiellement, je sais pas si ça existe, ce serait cool, non? Oui, ce serait cool, oui. Oui, du coup, je suis obligé de faire des pauses Regen Stam. Hein. Là, hein. Moi j'ai du miel, non? Moi j'ai mangé, je bois de l'eau. Alors d'ailleurs, vous constatez en fait, c'est ce que je disais, enfin, c'était pas totalement vrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on farme des matériaux, on gagne pas d'XP, c'est vraiment les matériaux basiques. Hein. Vous voyez, quand je farme la pierre, je gagne pas d'XP. Par contre, si je reviens là et que je vais taper mon silex, là on gagne de l'XP en fait. Donc le farming peut faire pex. Après, c'est la prise de level sur le jeu est très lente, hein, j'ai l'impression. En vrai, perso, je suis toujours level 2. Hein. Ouais. En même temps, c'est les débuts, on va pas se battre. Ou... Ouais, non. Voilà. Oh, les mobs rapportent pas des masses non plus. Hein. Non. Salut Grégory, je t'ai pas salué, comment vas-tu? Pas de bug particulier sur le jeu, aucun pour l'instant pour ma part. Non, ça tourne bien, hein, c'est fluide. Hein. C'est fluide, pas de perte de FPS, je suis à... Alors j'ai pas une machine de guerre moi, hein. Je suis à 100 FPS là, plus... constant, à plus ou moins. Hein. Ça oscille un chouïa, mais enfin je veux dire, à partir du moment où t'as au moins tes 60, le reste... On n'est pas sur un jeu de... On n'est pas sur un FPS ou sur un jeu de course ou des trucs qui demandent... de la précision. Donc ça va. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il te donne la config tout de suite du clavier français sans problème. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de changer. Il détecte. Hein. Il doit y avoir un système de détection. Et moi qui joue avec les touches directionnelles, c'est aussi par défaut. Par contre, petite question, Mira, enfin je sais pas si tu as l'info encore, mais est-ce qu'il y a des torches sur pied? Parce que là, j'y vais y voir de moins en moins, ça, au fur et à mesure que je m'enfonce. Bah écoute, je vais regarder. On peut pas faire une lanterne avec le truc de Luciole? Si, 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 je pense qu'il y a des choses comme ça. Le truc, ce serait que je. Tu sais, que je pose une source de lumière par terre, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais je suis en train de démonter le village, en fait. Ça marche. Pour la ferraille. Ouais, pour essayer d'en trouver. Ah, le mannequin, il sonne ferraille? Est-ce qu'il va se casser? Oh ma hache! Ah non, il va casser ma hache. Alors, est-ce qu'on peut tomber sur quelque chose à l'aveuglette comme ça aussi? C'est pas évident à dire. Hein. Surtout, du coup, sans voir si. Moi, j'ai récupéré des flèches de ferraille sur les cibles. Bah, cool. J'arrive pas à démonter les cibles. Non, je fais un point, toi. Je vais voir Mira de près.
Tu veux voir Mira de près? Bah, quand je retournerai à la base, je te la montrerai de près. Je lui ferai un collet serré, tu la verras bien comme ça. Alors... Est-ce qu'on peut faire des lampes, des torches? J'ai quoi? Ah, est-ce que je peux faire ça? Alors, apparemment, les torches, on peut les jeter par terre. Elles restent allumées. Bon, je vais faire comme ça pour l'instant. Bah ouais. J'avais pas vu l'option quand on tenait la torche à la main. Que j'ai supprimé mon truc au lieu de le poser. Plus de stam. Voilà, on a du charbon. Ah. Ah si. Oh. Alors, pierre, ferraille. Oh, il faut de la ferraille pour lui faire son truc. Fais suer. On vous fait la moitié de la ferraille qui nous reste. Saleté. Casque de combattant en herbe. Waouh. Ça, c'est parce que t'as posé la... Non, je l'ai fabriqué. Forge. Maintenant, faut que je la pose, oui. Cool. Allez Loulou, il faut qu'on trouve un truc de fer. Un entrepôt dans le coin. Oh vous non. Êtes tombé. Théo. Pardon Sora. Non mais t'inquiète. Hein. Je suis vraiment tombé. T'es morte. Mais t'as oui, la Soma va finir par atteindre le tartare. Je sais pas. Allez savoir. Ah non, si, je peux te ressusciter. Oh. Non. Bah j'ai l'option mais... Ah si, voilà. Non, parce que j'ai cassé un tout en bout du toit et je suis tombé du toit. Je suis mort. Résuscitation. Je sais. Donc, réponds-moi. Raconte. Quoi? Reviens. Oui. Tu vois le truc? Oui. Là ou là? Voilà, c'est bien là. Je sais pas. Ok. Bon, je vais pas forcément très droit, mais on y va. Je vais mettre dans l'autre sens par contre. Voilà, ça prendra moins de place. Monsieur le forgeron, vous avez une forge? Voudriez-vous bien nous forger des trucs gratuitement? S'il vous plaît. Une feuille de métal. C'est pas les soldes? Il en reste 10. Si je veux faire des grappilons pour tout le monde. Si on pouvait, Gérald, ouais. Il faut éviter de faire. On va bien t'aider, mais on n'a pas de pioche. Si vous voulez, on peut en crafter. Hein. Oh, bah j'ai mes 3 pioches. Mais tu trouves de la ferraille là-dedans, toi? Hein? À qui tu parles bien? Ouais, toi? Bah non, pas pour l'instant. Je désespère pas. Je désespère pas. L'espoir fait vivre. Hein. Je vais arriver dans une grotte souterraine, je vais tomber sur un balrog et puis ce sera terminé pour moi. Non, shall pass. Après l'inconvénient de chercher comme ça à l'aveuglette, c'est si ça tombe le filon de fer, il est 5 mètres à côté et puis je vais passer à côté justement. Après je sais même pas s'il y a des filons souterrains, hein, j'en sais rien en fait. Hein.
mais bon, il doit, ça doit bien exister, sinon je vois pas l'intérêt de pouvoir creuser comme ça le sol, à part faire une base sous terre. Et pareil, je vois pas l'intérêt. C'est pas comme si qu'on allait se faire attaquer par des vagues de mobs ou ce genre de trucs, hein. Soma va réveiller le Ragnarok. Je sais pas ce que je vais réveiller, ah, mais... Oui. Il y a des bruits, hein, on entend des bruits. Hein, de créatures. Enfin, je sais pas si c'est des bruits de créatures, mais... C'était peut-être tout à l'heure les bruits de mes pas, je pense que juste au-dessus de toi. Non, non, ça faisait des trucs genre... ça, ouais, espèce de grognement chelou. Hein. Ça donne quoi de voir les cheminées? Bon, par contre, de la pierre, je vais en avoir. Hein. Combien j'en ai sur moi de la pierre, là? 280. Moi, c'est pas tant que ça. Mais bon, quand tu vois que tu fais 100 blocs, là, pour deux pierres... Bah mine de rien, on a bien avancé. Hein. Bon, de toute façon, là, je vais pas y toucher à silex. On sait qu'il y a une autre mine de silex à côté. Ouais, parce que là, le silex qui reste me sert d'escalier, donc... Mais on avance, on avance. Il va finir par atteindre le centre de la Terre à force de creuser. C'est pour aller de l'autre côté de la map. Bah, il y aura bien une finalité à un moment donné. Hein. Ça, c'est sûr que ça va pas. Je pense pas que ça descende indéfiniment. Hein. Par contre, les animaux, ils se suicident. Je te dis pas. Tant mieux. Ça fait de la ressource gratos. Ah non non non. Ils se balancent par-dessus la falaise là. Ah ouais. Il y a un lapin là qui a pris son envol. Ah mince! Ah, bah elle était peut-être morte ma torche, je sais pas. Elle faut a dépop. Nettoie le puits de l'élixir. Oui, bah. Ouais, on va ressortir un peu de là. Attendez-moi les copains! J'ai tombé dans le vide. Un peu chauffé avant d'y aller. Ouais, faudrait peut-être quand même avoir un petit bout d'armure ou... Parce que là, on est un peu... On est à poil, hein. J'avoue. Bah ouais, ah ouais. Un petit bout d'armure, là, c'est compliqué. Oui. Il faut de la ferraille, quoi. Parce que il nous reste 10 ferrailles, on a que 2 grappins. Enfin, il y en a 2 qui peuvent déjà monter là-haut, au pire. Des explorateurs en herbe. Monter là-haut quoi? Avec ton grappin. Si tu prends un grappin. Ah oui, d'accord. Attends, je vais me refaire une torche déjà. C'est brindille, fibre. J'en ai plus. Il en reste un peu des fibres. Grappin. Ok. Oh, raccourci. Fabriquer ou récupérer un grappin. Donc, en l'occurrence, je l'ai récupéré. Il nous faut des étincelles. Une étincelle. Il suffira. Non, pardon. Renforcer la flamme. Non. Non, c'est pas possible, Dark. Ah non, pas ça. Au secours. Allez, petite chanson. Et une chanson. Et tout le reste, on a. Il nous manque juste une étincelle et on peut renforcer la. Les animaux sont dépressifs, oui. Pas faux. Oh, j'ai une viande de cuir. Moi, je suis barré, hein, je vous attends pas. Tu te pars tout seul? Mais je sais pas, tu veux utiliser le grappin où? Sur le pont là? Le grand pont? Non, c'est pas sur le pont, tu sais pas où c'est. Y'a pas un truc à faire ah, sur le là pont? Là 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 là. Attends, j'y arrive.
Ah attends, non, attends, laisse-moi explorer le pont. On l'avait pas looté lui, tiens. On ah, mais si, il y avait du loot là. Il y avait du loot. Ah, moi je reviens. Miral a dit c'est pas là. Non, mais si tu veux faire. Si tu veux looter le pont, vas-y. Ça y est. Ça y est. Pour moi, c'est parfait. C'est qui se met le grappin en fait. Comment je reviens en arrière hein. Tu sautes. Je saute de là, mais je suis mort si je fais ça. Tu crois qu'avec la parapente ça passe? Ah oui, ça passe. Regarde sinon. Quoi? Ah oui, si, t'as le crochet, c'est bon. Bah oui, mais y a pas de truc pour revenir en fait. Oui, bah oui, mais si, t'as le planeur. Ah, tu vas aller là-haut là? J'ai vu qu'il y avait un truc à grappiner tout à l'heure. Hein. Oula, mon perso il s'est décalé. Oui. Ok. On a un peu d'élan. Non mais je me suis arrêté sur la barrière en fait. Pas compris. Ah, il y a un coffre. La ficelle, c'est bien la ficelle. Avec une potion de soin. Bon, Miral casse. Ah oui, je récupère la ficelle. D'accord, d'accord. Des fois, si jamais il y a de la ferraille, tu vois. C'est un ennemi, ça? Oui. C'est un ennemi. Ah il m'a quasi one shot. Hein. Aïe. T'as des baies? Bien sûr que non. Oh, 6 ferrailles, oh. Ma loot. Arrête de bouger. Je te fais les fibres. Je sais pas comment on fait. B. Tu veux, on peut se donner des trucs. Offrir. Attends, je dis que j'ai pas de B. Si, j'ai une B. Hein. Merci, Mira. Il m'en restait une, en fait. Je t'en ai redonné deux, normalement. Un fibre. Oh! Y'a un loup! J'ai l'agro, vas-y, tape-le! Yes! Ah, mais c'est vrai que j'ai pris une hache aussi. Faut juste que je l'équipe. Par contre, t'as vu, ils ont des barres violettes? Ouais. Attention! Quoi? Ne t'approche plus de la maison. T'es sérieuse? Bah, vaut mieux ça que de les taper par inadvertance, non? Attends, y'a plein de loot du coup. Bah oui. Faut tout défoncer dans ce jeu, alors on défonce tout. Et j'ai récupéré deux de ferraille. Oh, il y a un coffre là. En argent. Une épée rouillée. Oh! Et une épée en bronze pour Dark violette. Oh! Niveau 3. Oh! Oh. Ah, t'as vu, il y a du silex ici encore. Ah bon? Oui. Ok, nice. Par contre, tu vois, le dernier truc que t'as fait péter, ça a fait apparaître le coffre en fait. C'était un truc d'interaction en fait. Je sais pas si je suis très clair. Mais... Si. Le fait de faire péter le poteau, ça a découvert le péter le poteau. Ah, il y a une note ici. Alors là où on est avec Mira, il y a une note. Mais ils peuvent pas monter, ils ont pas le grappin. Faudra qu'on leur laisse le grappin. Oh les pauvres, vous avez une note là où on est. On aura bien l'occasion d'y repasser. Je pense
que je vais essayer l'épée violette sur quelqu'un là. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai. Ah, d'ailleurs, je vais me l'équiper, attends. Bah, maintenant, j'ai pas le droit. Parce que je suis un magicien. C'est con ça. Je suis pas Gandalf. Ouais. Attends, pause, Mira. Oh. Vas-y, je fais de l'autre côté. Je trouve le jeu vraiment chouette et d'ailleurs j'ai fini par craquer et ajouter Palworld dans ma collection. Ton second épisode m'a trop hypé. Après m'être concerté, j'ai cédé à la tentation. Mais t'as bien fait, méga normal. J'espère que tu vas bien t'amuser. Ah, il n'y a pas de raison. Ouais, Miral Black Pop, hein, vous avez vu. Moi j'y joue à Palworld, je le trouve super sympa. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de live, les loulous, ceux qui seraient intéressés par un petit serveur pour jouer entre vous. Oui. T'es où ? Il y a des abeilles à m'en tuer. Ah ouais, mais si je viens vers toi, je vais les aggro, je pourrais pas te raise en fait, parce qu'elles restent sur ton corps. Ah non, elles sont sur moi. Ah, attends, je les emmène loin. T'appelais. Ah, mais je peux pas. Non, c'est ça, regardez-les. Ah, je les one shot les seins d'abeille. GG. Enfin, je l'avais déjà mis mal, mais. Bah, j'aime pas du tout la hache. J'ai trouvé déjà le jeu super intéressant lors de la démo, mais là, plus j'en découvre, plus je le trouve vraiment bien fait. Je trouve le jeu aussi super chouette. C'est pour ça que j'avais quelques minutes de retard, je n'arrivais pas à m'arrêter. du coup, continue à aller là-bas, bien. Attends, je récupère les. Il y a des loups là-bas. Faut que je récupère un peu de. Ah putain, mais il y a encore des abeilles. Où ça? T'es où? Vas-y, je vais les brûler, je vais leur brûler. Ah, mais t'as plus de vie par contre. Hein. Ouais, mais je leur ai brûlé leur mère. Ah. Craque lui. Ah, loup. Un loup. J'ai trouvé, oui, j'ai trouvé des blocs de route en terre. Ah, ça c'est quoi ça? Pour faire des chemins. Ah bah oui, là. Je suis mort. Non, mais sur le. En fait, c'est les espèces de tas de sable qu'il y a sur les palissades. Ah, super. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. C'est bon, je peux te ressusciter maintenant. Ouais, c'est pareil, les tas de cailloux, ça fait des gravats. Je sais pas à quoi ils vont servir, les gravats, mais... Merci. Oi. J'étais en train de ramasser tranquillement des fibres. Tiens, là, il y a de la baie. Bah, j'en ai ramassé, prends. J'en ai 7 encore sur moi. J'en ai 9 du coup. Il faut bien regarder les affleurements rocheux. Regarde là-haut. Ah non. Ça. Bah, des fois, tu sais qu'on verrait une texture particulière qui pourrait être autre chose que du silex. Mais là, on peut monter par exemple. Il y a un truc niveau 3 là-bas qui vient de mourir. Bah, j'ai vu sa barre de vie baisser par contre, c'est assez bizarre. Il y a un village. Y'a un mec. Y'a un moche. Moi je peux pas tirer d'aussi loin avec ma baguette. Me touche pas. J'ai rien de déjà. Pourquoi ils viennent toujours sur moi en fait? Ah merde. Est-ce que c'est des streamhackers? Le repère, il vient. Vas-y, je crois en toi. Oui. C'est chaud. Ouais, on est. Ouais, c'est chaud. Des baies. Oui, des baies, oui, des baies. Ah, mince, il fait froid. Attends, c'est quoi? J'ai pu être rentré. Ah non, oui. Attends. On a froid là? Camp de maraudeur avec puits de mine. Puits de mine. Viens près du feu, viens te reposer. Ah yes. Attention. Ça doit être ça là-bas, le puits de mine. Il y en a un autre là, juste à côté de nous. Oui, bah celui-là, je le ferai exploser plus tard. Reste pas loin du feu. Ah, de la ferraille 2. Y'a un truc.
pas taper dessus. Oh, il y a un gros coffre. Mais non. Waouh. Où ça? Ah, mais t'es déjà parti là-bas, tu m'as pas attendu. Oh, arc du chasseur. Ah oui, ça je veux. Et il y a une note aussi. De la ferraille, ça c'est bah écoute, ouais. La fibre aussi. Ah, il y a deux notes dans le camp. Est-ce que je peux casser ça? C'est de la ferraille. Il y a une autre note ailleurs? Dans la grotte. Ah d'accord. Ah non, ça va pas se casser. Par contre, il y a un crochet. Hop là! Il y a un truc là-haut? Non. Ah, il y avait un coffre ici qu'on n'avait pas vu. Avec des flèches en silex. Waouh! Ah bah, avec le silex, on pourra faire des flèches en silex, j'imagine. Ah! T'as fait péter le poteau? Le tonneau? Oui, bah oui, il y a un trou. Oui, il y a un petit trou. On va se mettre à l'abri. Non, c'est pas des os, ça. Chris, si tu veux monter, on peut. Hein. Sans crochet. Ouais. T'as fait un escalier? Non, j'ai utilisé de l'explosif, j'ai aplani un peu la montagne pour pouvoir monter. Si vous voulez nous rejoindre, ouais, ça serait sympa. Il est bizarre ce coffre, il s'ouvre, il se ferme tout seul. Peut-être parce que je l'ai déjà pris, non? Ça c'est du silex, ok. Sérieux, t'es en train de miner? Il y avait du silex, on a fait y en a encore. Découverte d'un puits à mine. Donc je me dis que... Il n'y avait pas un trou là-dessous, là? À l'âge plutôt, non? Ah non, ça marche pas. Ah, ça c'était bien. Yes. Attends. Ah non, il y a une note. Mais non, mais. Ah. Sinon, tu pioches à côté. Bon, je pense pas qu'il y ait de trou. J'ai ramassé de la pierre et de la terre qui vient de dessous en fait. Ouais, t'es en train de. Mais il y a un coffre, la crise derrière toi. Il est pas ouvert. Pardon? Ah. Ah bah oui, j'ai pas vu. Ah, c'est pas un coffre, c'est... Ah bon? Ah, ça, c'est un... Ouais. C'était des bûches. Ah là, je l'avais pas vu. Ah oui, celui-là, j'ai pas vu. Je regarde, j'ai vu les bûches de l'autre côté, mais pas le... Ah bah... Ah ouais, non, mais ils ont... Ils sont passés par là avant. Ouais. Nous, on reste au chaud. Non, c'est pas vrai. Hop là. Wow. Les grappins, c'est pour les faibles. Ah oui, la note. Ouais. Il y en avait qu'une dans la maison. Ah mais en fait elle bug à moitié les toiles qu'on jette par terre. La première j'ai eu du bol en fait. C'est tout. Bah, attends, je viens t'éclairer. Elles disparaissent quoi. Moi, je suis curieux de voir. Je comprends. Je trouve bizarre que le camp s'appelle camp du puits de mine là, tu vois quoi. Et qu'il n'y a pas de puits de mine. Bah. Ça n'a pas l'air de donner grand chose. Hein. Stam. Ouais, donc il y a une note dans la grotte où on est, et puis il y en a une sur une table. Ouais, trouvez celle de la table. Ouais. Oh, allez. Hein? Ouais, il va continuer à creuser. Hein. Oh non, on va pas faire que ça. Hein.
Mais ouais, camp de maraudeur avec puits de mine. Mon boulot. Il y avait un lapin mort, je le ramasse et tout d'un coup j'explose, il y avait une mine à côté. Je l'ai pas vu. Ah, ils ont piégé quoi. Ils ont piégé le lapin. T'as des baies ? C'est ça ? Ouais, ouais. Non, je veux pas dormir, je veux ramasser le tissu. Oui, ça va m'énerver. Oh, je l'avais. Mais non. Ah, y'a un truc là-haut. Eh, des grappineurs là. Voilà. Bah, y'a rien. Ramassé. Intérêt zéro. Mais ils m'attendent pas en plus. Hein. Vous passez à côté des lucioles sans les ramasser, là, c'est pas bien. On a eu, effectivement, y'en a là, ouais. Cuisiner. J'en ai ramassé plusieurs déjà. Yes, ça c'est cool. Ah, la nuit. On peut se reposer. Quelqu'un a besoin de repos ? Ah ouais. Par contre, c'est 6 minutes ensemble quand on n'est pas chez nous. Mmh. Ah oui. Alors que c'est le double. J'ai pas vu. Quoi ? Qu'il y avait un truc sous le... Ah, qu'il y avait un truc à l'intérieur, quoi. Il y avait un trou. Tout le monde a un parachute, hein ? Un planeur. Oui, j'en ai fait 4. Oui, mais bon. Attends, je vérifie que je l'ai équipé. Oui. Oui ! Et un loup. Oh, oui. Bien, moi, il me touchote les loups. Pff, la vache, quoi. Je suis en tarif à chaque fois. Il est niveau 3. Hein. Mais pourquoi c'est toujours 3. Moi qui a gros merde. Mais il y a une grotte là-bas. Oui, il y a une grotte, oui. Soigne-toi, toi. Là, je suis en train. Personne n'a vu t'as un bouclier ? Non. 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 Ah, zut. Oh, il y a un rat. Oh, je me fais attaquer. C'est quoi ? Un rat. Aïe ! Aïe ! Après, j'arrive pas à l'user. Sale bête. Il arrête pas de bouger aussi. Le bouffer. Encore un lapin, ça va, ça pète pas cette fois-ci. Eh oh ! Passé, tout cassé, passage de tout la grotte. Ah, c'est bien fichu. Hein. Il est où ? J'ai vu une barre violette. T'es où, Dark ? Il est monté. Descends. Je vois pas l'ennemi. Il arrive. C'est pas dans le noir, c'est pas simple. Chaud, hein. Chaud patate. T'as mis marmite. Ah, ma baguette est presque pétée. Ma baguette est presque cassée. Je vais plus servir à grand chose, moi. Bah, tu feras la lumière. Ouais, silex. Ouh. Regarde s'il n'y a pas autre chose, hein. Je prends le temps de regarder parce que. Loup. Accroché. Ah. Moi où j'ai entendu un autre loup. Il doit y avoir un loup au-dessus de nous. Ouais, il est au-dessus de nous là-haut. Regardez, vous avez vu le truc au-dessus là ? C'est violet là ? Attends, je peux peut-être en craft un. Sur moi j'en ai pas, mais. Ouais, je fais en craft un. Attends. C'est du minerai qu'il y a là-haut là ? Peut-être. On va aller le chercher. Là. Ça va pas être évident là. Ça va mettre des. Ouf ! J'ai une grenade. Des sorts, des charges de bâton, boule de feu, boulon de glace, flèche en silex, flèche en ferraille. Nickel pour toi ça. Attention, il y a un loup là-haut.
merde. C'est ça. Ah bah le voilà. Je récupère rien dessus. Ah si, bloc, croissance lumineuse. Bloc luisant, le truc. Oh. Il y a un truc. C'est bien, mais comment tu fais pour aller chercher là-haut? Parce que tu peux pas construire... Il y a des échafaudages. Des échafaudages. Des échafaudages. Ah ouais. Tout le monde l'a dit. Hein. Bravo. Oh, c'est bon ici. Ah. Contre ça embrume. Plus de stam. Ah oui, embrumé, oui. C'est quoi ça? 5 minutes. C'est comme un champignon en fait, ça. Ouais. C'est du silex. Du coup, ça sert à quoi ça? Matériau de terrain. On en récupère pas souvent quand même. Voilà. Eh, j'en ai deux. Depuis le temps que je tape, j'en ai eu deux aussi. Un seul. Ok. Pourtant, j'ai tapé plein d'autres. Ouais, bon. Hein? Quoi, c'est de la lave ça? Oui, je pense, oui. Oui, et ça brûle. Et ça brûle bah fort. Ça brûle très très fort. Ouais. Bah, dans la bêta, on était tombé dedans, on avait le stuff qui était resté à un coin, c'est une galère. Oui, oui. Ah, ça monte encore. Hein. Attends. Ouais, mais... Oui, on a embrumé, mais on a 5 minutes. Hein. Bon, y'a rien. Y'a rien. Ça valait pas le coup. Non, non. Du coup, là, on a un cul de sac. On arrive ici, quoi. Ah, de la lumière. Oh, c'est un TP ça. Ah non. Ramasser, j'ai eu une étincelle. Ah, ah ça c'est cool. Chapelle. On va pouvoir améliorer notre flamme. Outil. Une petite... Ah oui, exact, c'est ça qu'il fallait. Oui. Oula. Ok, c'est vraiment pour venir chercher ça. Après, il y a un passage oui, de l'autre côté. Oui, parce que... Après, il y a une petite ville là-bas, là, un petit bâtiment. De l'autre côté, je crois que c'est un cul-de-sac. Non, non. Il y a une sortie là. Ouais, il y a un truc ici. Arrête de courir. Ouais, il y a une petite ville aussi. Ouais. Il y a du monde là-bas en face, hein. Ouf, ouf, ouf. Ouais, on va peut-être redescendre plutôt. Parce que vos outils, ils sont à réparer et tout. Plutôt aller faire la petite ville et puis on reviendra, hein, de toute façon. Oh, c'est des loups. Il n'y a pas que des loups, je pense. Hein. Ah bon? Oh, peut-être bien. Devant, ouais, mais... Ah, quoi que... Ouf. Il y a une, quand même une... Il y a de la fibre. La fibre, c'est de la fibre. Attends, il y a des baies, J'y vais tout doucement. Ils se battent ou ils ont aggro quelque chose? Voilà. Oh, ils ont mangé un lapin, à tous les coups. Bizarre. Là, c'est grand, hein. Oh, il y a une autre grotte là-bas. Oh là là, l'enfer. Ah, il y a une petite ruine ici en haut là. Avec des lapins. Il te reste des baies? Parce qu'il y en a là, il y a un buisson. Il y a une araignée, avec le cul vert. Ah, il y a du coffre, c'est pour vous le coffre. C'est des flèches et sorts magiques. Ah, mais j'ai looté un arc moi. Qu'est-ce que je fais en fait avec cet arc de merde? Ah! Ah, yeah. Ouais, se tue facilement l'araignée, ça va. Ouais, c'était ouais, une. Non, mais je te laisse la tuer, moi. Il y en a une autre. Ouais, j'ai vu. J'aime pas les araignées. Rien encore.
éviter. Ah, elle m'a empoisonné par contre. Il y en a une derrière. Ouais, elle lance un projectile. Ouais. Sac à dos plein, je peux pas les loot, hein, les araignées. Ah yeah. Oh, 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 il y en a où là? Chris, elle était empoisonnée, Chris. Ah là là, non, ça va. Ouais. Ah ouais, ça va, t'as survécu. Bravo. C'est chaud. Ça se farme. Il y a les cocons là. Il y a des buissons de baies là, si vous avez besoin de vos régènes. Les cocons, t'arrives à les récupérer? Bah, oui, tu peux les casser, mais il n'y a rien à récupérer ah, ouais, dessus. J'arrive pas à casser. Ah, il y a encore une bébête derrière toi, derrière toi, derrière toi. C'est bon? Ah, oh, j'ai des frissons. Ah, au secours! Il y a des loups là-bas derrière, peut-être. Ouais. Il y en a une à looter ici. Mais on loot quelque chose dessus? Parce que... non, pas... si, morceau de bestiole. En fait, ils sortent. Les araignées sortent des cocons en fait. Oh, il y a une meute de loups là-bas, de l'autre côté. Il y a, ouais, c'est ça, ouais, il y a plein de loups là-bas. Niveau? Ouais, on peut pas voir le leur level là. Mira? Voilà. Tu peux essayer d'en pouler juste un pour voir? Ouais. Ouais, ils sont. Je peux essayer. Je pense qu'ils sont en meute, hein, ils vont. Ouais, presque. Un peu plus haut. Non. Yes. Niveau 3. Les... ils sont tous retournés. Ils sont. Ouais, ah là là. Ah, ça y est, allez, voilà. Bamos! Bon, je tank. Allez, go. Vas-y, vas-y. Ah, y'en a un qui m'a fui. Dérive, voilà. Ah, c'est qui dans le dos? J'ai. Je suis obligé d'utiliser mon arme de corps à corps. Mon bâton est cassé. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, recule, 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 recule. Bon, c'est bon. Ouais. Bah, y'en a encore un. Attention, il reste un. Oh. Ah, le petit malin. Merci. C'est chaud. J'ai une potion de soin sur moi. J'ai encore des baies, je crois. Et un bandage. Moi aussi, j'ai encore des baies. Mais par contre, on sait que c'est en meute, du coup. Oui. Ah ouais, bah ça, c'était évident. 50 pouces, yes. Alors, je suis désolé, je regarde pas trop le chat, mais là, avec les fights et tout, l'explo, machin, truc bidule, j'avoue que... C'est chaud, chaud. Ouais, on va ça marche, personne. Un petit peu. Oh, il y a une chauve-souris là. Qui sort de la grue caverne là. Ah oui. Je sais pas si c'est agressif. Hein, mais... J'ai l'impression que dans le jeu tout est agressif, mais. Ouais. Ah non, les biquettes non et les lapins non plus. Oh, ah bah on va peut-être vite le savoir. Ah non. À mon avis, elle est pas gentille. Hein. Azimira. Ouais, t'es évident. Fille de Legolas. À shooter. J'ai plus de flèches. Mais en plus, je suis avec des petites flèches en bois là de merde. Bon, t'arrêtes de bouger, oui. Sérieux? Ah. Ah, t'étais pas loin. J'ai cru que tu l'avais. Comment on peut. Ah sinon on descend, on va la voir. Non mais moi il faut que je me refasse des flèches surtout. Parce que j'ai des flèches pas sur moi, mais vous avez la réponse. Comment te les transférer? T'as des flèches sur toi? Ouais, j'en ai quelques-unes, oui. Alors tu quand tu ouvres ton inventaire, tu fais un clic droit sur tes flèches. Et tu fais offrir. Alors tac, clic droit. Ah oui, offrir, oui, bah oui. Silex. Déjà, voilà. Ah cool. Et puis j'en ai d'autres encore. Juste du silex. Tac. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Toi je te dégage. Hop. C'est bon, vous avez régène?
moi je suis Rajan. Pourquoi t'es encore en moitié de vie toi? Mange une baie. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un truc bizarre devant moi là, en contrebas. Pas ce que c'est. C'est bizarre, c'est pas bon. Mais là on fait demi-tour là. On a pas fini hein, y'a encore des maisons là-bas. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole là? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça glisse. Où ça? Ah, c'est un lapin, d'accord. Il était bugué contre la colline, ça faisait un truc bizarre. Ça s'appelle un lapin. Non, mais tu sais, il courait contre le petit bout de terre là. Et en fait, ça, de loin, ça faisait vraiment un truc chelou quoi. Vous voulez aller faire la maison là? Ouais, allez, hein, on y va. Moi, y a des... Moi j'ai plus d'armes. Il y a des loups. Hein. Allez, voilà, ça y est. Putain, les loups sont à. Un de moins. L'autre il est bugué, on dirait. Oh, il est là. Ah! Voilà. Il y en a encore un ou quoi? Ça marche pas partout. Ouais, je crois qu'ils étaient deux. Pensez à les looter, hein. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est quoi, du blé? Arraché. Non, c'est pas du blé. Ah, ici! Ils sont pourris ceux-là, mais là il y en a un mature. Ouais, mais ça fait de la fibre. Non, mais vous pouvez pas la. Ouais, d'accord. Ça, c'est de la fibre, regarde. Arrive. C'est moi, j'ai plus de place dans mon inventaire donc. Du maïs. C'est quand qu'on va pouvoir faire nos propres cultures? Parce qu'à mon avis, il y a moyen. Hein. Soma, donne-moi. Les espèces de champignons là. Et je sais que t'as récupéré de la viande aussi. Ah, oui, comment on fait? De champignons. Tu fais B, clique droit sur les objets et tu me les offres. Alors, tu as les champignons crus? Non, le truc bleu là, mais bon, c'est pas grave. Ça. Wow. Et tu m'as dit quoi d'autre? La viande, enfin, libère-toi de l'espace. J'ai des brindilles, des pierres. Je te fais toutes mes merdes. Allez, ça ira. Comme ça, t'as un peu de place. Il y a un petit four dedans. Là, là, là. Wow, il est joli. Hein. Ça, moi. Oh, de la fibre. Oh, ça j'aime. Il y a un roc crevé. Ça donne envie. On a des loups encore. Il est dehors, derrière la maison. Il y a des trucs dans les tas de gravier. Ah oui, une chaise. Putain, c'est sympa. Ouais. Il y a une toilette. Il y a plein de trucs à ramasser là. Les squelettes, ils donnent des os. Il y a du matos là-dedans, personne n'a fouillé. On a tout récup. C'est good. Bonjour mon team. Oh merde. Oh, il est pas tout seul. On fait un. Il y en a un autre. Attends, merde. Il faut que son maïs soigne. Il y en a un sur moi là. Oh. Il est où Chris? Ah, il est dehors. Merde. Allez, on y va. Merde. J'arrive. Non, pas l'arbre. Alors. Tiens bon Chris, tiens bon. Je suis arrivé après la guerre. Ah bah. Il est sorti d'où lui? Ah puis il s'attaque aux ceux qui sont blessés hein. Oh, ah bah d'accord. Oh, ouais il a fait allez, super. Allez, mal. Allez, 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 je suis mort, vite, on est tous morts. Moi aussi. Oui, oui moi je aussi. Sais. C'est pour ça que j'en ai ressuscité un. Ah,
Oh là 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 là, c'est ah, chaud, la hein. violence. Ah, la violence des loups, ah, ouais. Quoi, au secours. Tu commences à comprendre l'intérêt du OA16. Viens ici. Moi, du coup, là, j'ai plus de baies, j'ai plus rien. Ça va. Tac, tac, cher régène encore. Oh, ça... T'es trop loin de moi, reviens. Je t'en ai renvoyé deux, Chris, normalement, des baies. Ah, mais j'ai pas... Des baies, j'en ai un. T'en as? Tu m'en as envoyé, ouais. Je sais pas, je vais regarder. Non, ça n'a pas marché. Attends, je vais regarder, je vais regarder. Ah. Non, ça n'a pas marché. Alors, offrir... Il avait une faim de loup, il avait faim le loup, oui. Merci, c'est bon, merci bien. Voilà. Il y a une stèle un peu plus loin. Carnage. Il y a encore un loup. On va pouvoir se TP. Il y a encore un, ouais. Un ou plusieurs d'ailleurs. Attends, je reprends mon arc. Hop. Il est où d'arc? Je le vois pas. Viendez-moi! Viendez! Ah là-bas. Mais t'es où? Hop là! Il y a encore un loup juste après. Hein. Yeah. C'est bon, y'a plus rien à faire là, c'est fait. Ah ouais, y'a la jolie ville en bas là. Mais là, on est à moitié crevé, c'est pas la peine. Où loup? Je l'avais dit hein, qu'il y avait un loup à côté. Hein. Ah. Ah. Il m'a croqué. Oh. Il m'a wench. Hop, c'est bon, hop. Merci, c'est gentil. Vas-y, vas-y. Oh. Ah vache quoi. Oh, ma baguette, ouais. Elle est presque morte là. Hein, on a déverrouillé TP la maison. Selle, du coup on peut rentrer. TP maison. TP maison. Ouais. Bah, allez. TP maison. C'est pas RP hein. Bah si, ça fait partie du jeu. Soma, un avis sur ce elle jeu. Où la maison? Allez où la je maison me... Ouais, c'est bonne question. Je me tâte à le prendre. Salut LJ, comment vas-tu? Franchement, très sympa. Ah, là où il y a le... non, oui. Par contre, à mon avis, très compliqué en solo. Alors, à moins que, comme disait Dark, il y ait un système de difficulté sur le nombre qu'on est. Ouais, mais en solo, les loups, je les explose. Hein. Il n'y a aucun problème. Bon, bah alors, du coup, pas de soucis. Ah, pour moi, très bon jeu. J'aime bien. Ah, il est excellent. Hein. Ouais. Il y a un côté un peu RPG, de crafts, tout ce qui fait un jeu de survie, hein, un peu à la Valheim. La map a l'air très grande. Voilà à peu près. Il y a un côté MMO, même si on est que maximum 16. Tout à fait. Ouais. Non, franchement, très sympa. Du coup, j'upgrade l'hôtel. Ah non, c'est un oui. Cœur de brume. C'est... Alors, non, c'est tu peux améliorer la flamme. Pas le. Ouais, attends, il faut résine, renforcer champignon. La flamme. Ouais, résine, champignon rouge et brume liquide. Il y a tout ce qu'il faut. Résine, champignon, brume liquide. Attends. Là, t'as les champignons. Avec la résine, on en a, hein, ça manque pas. Ah, c'est vrai que c'est pas ça la touche. Ils sont pas. C'est où les coffres là? Ah. Ok. Brume. Et la résine, la résine. C'est parti. Petit coffre établi. Yes. Attends, je vais t'en faire des. Communier avec la flamme. L'étincelle de la connaissance s'est éteinte à l'intérieur. Préparez-vous à dévoiler les secrets de notre passé. Trouvez les deux obélisques de haute pâture pour apprendre le destin du monde. Une histoire de pourriture et de feu. Seuls ceux qui cherchent la vérité la trouveront. Yeah. Ok. Un prochain renforcement, c'est de la cire du sel. 5 étincelles, bois de brume, pierre de silex. Ah, voilà à quoi servir le silex. Mais... Ah, ah c'est pas fini. Charbon et tête de matrone des maraudeurs. Donc, un trophée de boss. Ah, je refais des bûches pour faire du charbon.
Alors, du coup, on va ranger un peu. Donc ça, c'est le coffre de bouffe, si j'ai bien compris. Bah, ça a l'air. La viande. Ça, on va mettre. Ça, je garde sur moi. J'ai 8 grenades. Waouh. Oula. Ah, ça y est, Mira, elle a dégainé les coffres. Alors, celui-là est vide, ok. Oula. J'ai. Les os. On va verser. Ah non. Bah non. Bah non. Comment ça, non? Non. Comment ça? Non. Non. Pourquoi ça? Tu mets pas tes armes dans le premier coffre. Le premier coffre, ça va être les ressources. Ah, puis... le coffre où je suis, les 4 coffres qu'il y a d'arc, le plus à droite, il y a l'épée violette. Enfin, j'aurais pu te la filer en fait. Je l'ai gardée tout le long du truc. Ah. Aussi joli. Et après, il y a une épée rouillée chelou. Voilà, comme ça, on va mettre les armes d'un côté. Thomas, hop. Peut-être prendre ça en arme secondaire, moi, pour remplacer ça. Quand ma baguette est cassée. Je pense que tu nous as fait plein de blocs, du coup, il y a plein de blocs de machin là. Pas réparé. Ah, mais c'est des trucs de construction, je peux faire un coffre si tu veux à côté. Non, bah c'est pour ça. C'est fait. Après, on va mettre le tissu, les fourrures ici. Les livres anciens aussi, la sifflette. D'ailleurs, j'ai oublié des blocs là, faut que je. Les films, pas fini. Ah. J'ai 19 ferrailles sur moi que je viens de poser. Pas mal, hein? Yes! Bah, du coup, on va pouvoir se faire des grappilles, lol. Et là, on va mettre les trucs chelous, là. Les morceaux de bestioles. Le goudron, la terre. Ah, la terre, tu la mets là? Ok. Alors, c'est quoi déjà? Ici. Voilà. Ça vous va comme rangement? Ouais. Là, ouais, je vais mettre les flèches, les carreaux, les trucs de sort. Voilà, dans les avec deux les armes. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'elle a mis? Mira a mis ça, ça. Ah, j'ai fait une bêtise. My bad. Je sais pas, pas, pas. J'ai tout récupéré dans mon inventaire. J'ai tout cassé. Dis donc, on en a du champi. Hein. Et la brume, on la met où? Deuxième. Y a plus de lucioles là. Si si, y en a dans un coffre des lucioles. Ah. Je cherche, ça sonne. Ah ça y est. Non. Deuxième coffre, oui. Ah, celui-là. D'accord, bah je voyais pas. Ok, on est bon. Du coup. Ah bah oui. Non, c'est des morceaux. Eh bonjour Link 7. Les échafaudages, bah ça permet de monter sur des hauteurs pour pouvoir, je sais pas moi, atteindre des trucs inaccessibles, faire de la construction en hauteur, ou ce genre de trucs. Je suppose. Ah non, les lucioles, attends. Non, je sais pas. Justement, je joue solo, j'ai un doute. Ah oui, d'accord, bon, je pense qu'on a répondu du coup. Ah bah c'est normal, Chris, je les ai sur moi. D'accord. Mais je les mets là. Je les ai mis avec les morceaux de bestioles. Est-ce que je peux faire une pioche au forgeron? Oui, vas-y, fais ta pioche. 8 ferrailles, un bois de brume. Oui, faut faire des armures, mais il va nous faire suer toutes les 3 minutes avec sa pioche autant qu'il l'est. Mais quoi? Il va nous faire suer. Elle est méchante, hein. Méchante, hein. Yeah. You got a heart of steel, kid. Ouais, j'ai un acier dur, ouais. You are hard steel, kid. Il me fait. Ouais. Si tu veux, mon gars. Je suis pas contrariant. Je vais cuire du lapin.
Allez, on va aller tester ça sur la mine, les loulous. Donc il fait jour, je me suis trompé de ce côté. De toute façon, on va pas retourner en exploration là. Non. Je pense à samedi. Il reste. Ouais, non. Coucou, nous, Nathalie, comment vas-tu? Et bienvenue, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. Comment va? J'ai plus de bonus, hop. On va se prendre ça. Et on va voir la différence avec cette nouvelle pioche. J'ai une torche. Du coup, est-ce qu'on va y voir quelque chose? On va pas... Alors, je suis désolé, on va pas y voir grand chose. À moins que j'arrive à jeter ma torche sans qu'elle bug. Ça va être compliqué. C'est bizarre qu'on ait pas quand même de craft de. Bah, tu sais, on a que les premiers crafts, on n'a pas grand chose. Ouais, c'est juste le début là, ouais. De débloquer pour le moment. Ah, c'est chiant quoi. Alors, je pense qu'on s'est même pas fait l'armure de base. En chiffon quoi. on est des mendiants quoi. Ah ouais, d'accord, il y a des privilégiés ici. Ah bah, je viens de me faire deux morceaux, j'avoue. Ah, mais non. On peut faire des pansements aussi. Pour nous entourer la flamme, c'est chiant. Oh. On va faire de la déco à l'extérieur, là. Il va se faire engueuler, hein. Moi, je vous le dis. Mais non, mais il allait nous faire des poteaux, là, au milieu de la pièce. Après, il aurait fallu tout sauter, là, pour aller communier. Communier. Oh, mais je le connais, communiquer avec un. Ouais, quand même, quelqu'un est passé niveau 3 là? Non. Non. Putain, mais c'est les niveaux au secours quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Tu as eu des petits soucis, Nathalie? Bah, j'espère rien de grave. Qui a fait la base avec le groupe? C'est Soma qui a fait la base avec le groupe. Non, j'ai rien fait, c'est Dark qui a tout fait la base. Moi, j'ai ma mine perso. Pas perso. Je suis en train d'essayer de trouver un filon de quelque chose. Le problème, c'est que bah, j'arrive à un stade où je peux pas éclairer. Donc, c'est compliqué. Et la première fois que j'ai jeté une torche par terre, elle est restée... alors, on la voyait plus, mais elle avait pas des pop. Et maintenant, chaque fois que j'en jette une... Ah, celle-là est restée aussi. Bon, mais c'est cool. On va pouvoir... On entend une chèvre en dessous. C'est très bizarre. Enfin, en dessous, au-dessus plutôt. Tu m'as dit que je pouvais faire de rebord, mais tu m'as pas dit que j'ai pas le creuser. Oh là là. Mais c'est pas chiant que tu creuses. C'est chiant de devoir sauter. Non mais je te voyais venir avec tes piliers là. C'est bon. Mais en au bord de l'escalier si tu veux, mais pas autour de la flamme, c'est chiant. Ah, la nuit tombe. Un peu, je me bats pour récupérer ma fille de 13 ans. Ah oui, d'accord. Je vois ce que c'est. Là, on a plein de viande à manger. Bah, tout plein de courage pour toi, hein, Nathalie. J'espère que bah, t'arriveras à la récupérer, justement. D'accord. Oh. Si j'ai fait encore. Pas possible. Ah, rien, vas-y, fais ton bail. Fous tes piliers là. Hein, mais j'ai pas fait de piliers. C'est de la décoration. Mm-hmm. C'est pas joli. Si. Ça casse la pierre, c'est bon quoi. Je n'ai rien dit. Je ferai pas de piliers, promis. C'est con parce que j'avais prévu une cheminée, et du coup ça fait bizarre, elle tiendra mes. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que. Non, mais c'est la toiture en chaume, elle est hyper solide, elle tient la pierre. Y'a pas de problème. Non. Moi, je suis pas convaincu qu'on arrive à récupérer quelque chose. Hein. D'ailleurs, un problème. Hein. Ah, on a des bougies. Ça y est, j'ai les lanternes. Nice.
Ouais, c'est bien, on a plein de lucioles déjà. Lucioles et plantes. Ouais. Ah, oh, ça me perturbe de voir des trucs voler. Ah, je peux. On va voir s'il y a encore des. Je suis encore. Ah, lucioles. Ah, ouais, là, c'est mieux. T'es décalé. 54 des pouces. C'est pas mal, c'est pas mal. Le bluff de repos. Non. Ah ouais, on peut tailler les poutres. Allez. Tu veux tailler les poutres. Hein. Au secours. Non mais c'est remis Non mais tu fais ce que tu veux. Je ne dirai plus rien. Faut pas me donner le marteau hein. Non faut pas te donner le marteau non. Vas-y je prends un peu de tout. Je vais voir ce que je peux fabriquer. J'aurais remis une luciole mais... Ça passe, elle tient toujours. Hein. Ok, allez, on est reparti. Ouais, ça. Ah, c'est du terrain. Ah, j'ai trouvé comment remettre du sol, je pense. Se re-relever, enfin, remettre de la terre. Ouais. Ouais, j'ai pas vu dans le dernier onglet du marteau, il y a un truc terrain, c'est marqué. On a de la terre en rab quelque part. Dans les coffres, oui. De la terre, il y en a, oui, dans le coffre. Ou de. Ouais. Deuxième coffre. Ah, tu vois, Nathalie, plein de bonnes ondes. C'est cool ça. Merci les loulous. C'est désespérément de la pierre que je creuse. Ouais. Franchement, il est super stable. Le... Ah oui, de ce côté-là, il est bien. Parce quoi. Que moi, ouais. Parce que moi, je suis en ADSL, je suis pas en fil. C'est nickel. Hein. Oh, ça va plaire à Sauf. Hein. De quoi hein. Un marteau piqueur. Des torches murales et des flambeaux. Ah, nice. Du C4. En plus, quand on les a posés, si on peut les ramasser, c'est nickel quoi. Voilà. Je te les laisse dans un coffre. Ouais, j'arrive. Comme ça, je vais tester ça. Je remonte de ma grotte. Faudra que vous veniez visiter la grotte, hein. Elle progresse. Hein. Ça me permettra de réparer ma nouvelle pioche qui a pété. Mais non. Alors. Ah, je crois que j'ai mis la pierre au mauvais endroit, non? Tiens. Ah, merci Mira. Non, mais t'as pas pris les torches murales. Merci Mira. Je vais tester ça. Oh! Un kiln. On dirait un kiln. Avec ça, on fait quoi? Charbon. Juste du charbon? Ah, yes, pour l'instant, ok. Ok. Après, peut-être plus tard, autre chose. Je m'attelle à trouver autre chose. Je m'attelle fortement. Kaamelott. Comment ça, Kaamelott? On est passé à combien de temps de repos là? 14, 15 minutes? Ah, bien.
Je crois que le mobilier et tout, ça y joue. Ah, les torches-murs, les... Ah, oui. Ah. Ouais, 15 minutes, ouais. Ah bah je pourrais pas m'en servir confort. En fait. Confort niveau 10. Ouais, ouais, parce que le banc, c'est plus... Ah, le tabouret, le foyer, la table, tout ça, ça compte. Du coup, va falloir que je fasse des lits. Il faudrait que je fasse... Il faudrait que je fasse une petite fondation. On fait. Peut pas s'asseoir. Ouais, bon. Je suis triste. Tu fais semblant. Ah, attendez, les... on va retourner à la maison. On va faire un chouïa de rab si ça dérange pas Dark Mira et Chris. Tester un truc. Mais bon, j'ai le droit de faire des trous dans la maison ou pas? Oui. T'as même pas fait des trous à tes piliers, je suis étonné. Bah si, mais tu m'as dit tout de suite, ah, donc du coup j'ai enlevé. Mais j'ai rien dit. Je t'ai dit, tu fais ce que tu veux. Oh là 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 là. Mais non, mais. Oh. C'est, combien c'est de parce peau que... Ah, on en a. Là, ouais. Le pilier, il est un peu bizarre, il dépasse d'un petit bloc, tu vois. Si ouais, bah, vas-y. Petit bloc, fais gaffe, Chris, il y a un loup par là. Au secours. Fais-toi plaisir. Ah, ça fait mieux. Est-ce qu'on a des trucs de bah, construction, mais des petits, enfin, des pas des... Vas-y, exprime-toi. Alors, je vais faire ça. Faire ça. Et il faut que je ramasse les matelas. Et on y retourne. Je vais nous faire des vrais lits, comme ça, ça va nous augmenter notre confort. Allez. Par contre, ça risque de prendre un peu plus de place. Oh, à peine. Si j'ai que ça, je peux agrandir, hein. N'est pas un pour faire près, un cache-cache, hein. C'est pour faire un cache-cache. Enfin, faudrait que je fasse un labyrinthe, quoi. Du coup. On va essayer de faire un truc. Alors. Ah, on peut pas construire en dehors de notre zone. Donc en fait, les torches murales et à placer au sol, je peux pas m'en servir dans la grotte. Il faut un support de construction et je peux pas construire en dehors de. Bah comme ça, je vais pouvoir les mettre là-haut parce qu'on voit rien. Ou alors il faut que je prenne un hôtel et l'hôtel qu'on a en rab et que je le pose là. Alors, est-ce que vous pensez qu'il prend en hauteur et en profondeur? 40 par 40 par 40. Donc, techniquement. Techniquement, pour oui. Pour l'instant, donc. Parce que prochaine étape, il va grandir. Ouais, mais 40 de haut, pas, peut-être 80. Pas 40 de bas, quoi. Je sais pas, on peut creuser en dessous. Hein. Moi, je l'ai fait sur ma solo, j'ai fait une cave. Donc. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, hein, mais. Non, mais sur la maison, je veux dire. Tu sais. Oui. Donc, tu vas bien me redonner une des torches. Oui. Non, je te mets là. De toute façon. Lequel des trépieds, on s'en fout. J'ai un les trépieds. D'accord. Ah, il y a un coq. Mais pas avec. Il n'y a toujours pas de fer, mais il creuse. Bah. Après, je sais même pas si le fer à miner, ça existe. Hein. C'est de la supputation. Ouais. Je vois que les lits sont pas alignés. Ça doit bien se miner quelque part. Hein. Je sais pas, on en a jamais trouvé. Ah là, on a des jolis lits, on est passé à 11 de confort. Il le voit où ça? Je crois pas. Ah, tu le vois sur le. À gauche.
Ouais, à gauche, confort, niveau 11. Ah ouais, niveau 11, d'accord, ok. Ouais. Parce que moi, vu que j'ai un bug d'interface depuis tout à l'heure, là, j'ai le truc d'XP qui reste à allumer. Je vois plus ce que je loot. Donc, bon. Mais je peux pas faire grand chose de plus hein, pour l'instant. T'as besoin de luciole? Pour faire des lampes. Foyer, je l'ai fait. Les chaises, j'en ai fait. Éclairage. Oh, peut-être. Peut-être, ça va passer tout juste, mais. Ah, mais par contre, est-ce que je vais pouvoir poser une fonda ici? Alt. Et du coup. Ah, oh, bah nickel. Ok, bah je me suis fait mon beans. C'est bon, ça a marché. Avec un hôtel au-dessus et. Bah, je suis à la limite, hein, mais. J'ai fait ma petite fonda dans la grotte et j'ai posé une torche. S'en foutent. Merci, hein. Mmh. Et j'ai même pas. Non, c'est vous. Pas, hein. C'est à qui tu parles. Ils s'en foutent. Vous êtes tous témoins. Non. Y'a pas de preuve. Si, j'ai le chat. Bon, allez, on creuse. Plus de stam. Ouais, let's go, hein, je déplace la maison, pas de problème. Mais du coup, des hôtels comme ça, on peut en faire autant qu'on veut. Oh, on rentre dans ton bordel là. Il y a l'hôtel ici. Ah non, alors c'est bien plus loin. Ah ouais, d'accord, ok. Et oui, j'ai essayé de le mettre, mais comme en plus je suis pas parti droit. Alors, je suis venu voir, puis il arrive ici, je dois faire. Waouh, qu'est-ce voilà. Que t'as bien travaillé. T'as vu ça un peu. Voilà. Le creuse. Ouais, voilà. Ah, j'ai mis la table. C'est impressionnant. Ça qui gêne là. Bravo Soma. Pour l'instant j'ai rien fait. Prochaine étape Soma, construire ton lit dans la mine. Ah bah je peux maintenant si je veux. Mais bon. On va laisser passer la lumière là. Sinon. Partir par là un peu, tiens. On va tourner. Voyage au centre de la Terre, le nouveau livre de Soma. Ah, je sais pas trop, mais bon. Je pense surtout que je suis en train de faire ça pour rien, mais à mon avis, mais. Mais on tue le temps, quoi! Après, quand même, je me dis que s'ils ont fait ce système de pouvoir creuser partout sur le terrain de jeu qui est la map, il y a bien une utilité! À un moment donné. Sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. De mettre une fonctionnalité comme ça qui est pas simple à développer, mine de rien. Au niveau du moteur de jeu, tout ça, ça prend des ressources, hein, donc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très concluant. On a trouvé que du silex, en fait, en ressources naturelles autres que la pierre infarmée. Pour l'instant.
Ah, c'est bah, ouais, ça. Ça fait pas beaucoup. Ouais, bah non, non. Emira apporte à manger, du coup, Sama voit plus le jour. Hein? Et quoi? Tu sors plus de ta mine, donc ah, t'amènes ouais. à manger et tout, donc tu vois plus le jour. D'accord. Nous sommes les nains sous la montagne. On va porter un petit plat, Mira, s'il te plaît. Lapin. Pour me sustenter. Par contre, oh, ça monte, hein. On est bientôt au niveau 3. Hein. C'est vrai? Niveau 3 de confort? Non, niveau 3, on est niveau 11. Tu parles de quoi là? L'XP. La barre d'XP qui monte. Ah, ah ouais. Alors moi, à faire ce que. Peut-être un peu loin. Moi, à faire ce que je fais, je gagne rien du tout. Alors, tu as un lapin, ça t'amène plus d'XP que tu es une bestiole. Enfin, un ennemi. Donc c'est sûr que vous allez passer niveau 3 à mon moment. Mickey, je reviens. Mais du coup, par contre, la question que je me pose est que... Ouais, c'est ça, ouais. C'est qu'ici, en fait, je suis plus dans ma zone de construction, quoi. Mm-hmm. Faudra que je me renseigne quand même là-dessus, savoir ce qu'on peut trouver. Salut Gargouille, comment vas-tu? Savoir ce qu'on peut vraiment trouver sous terre, parce que... Que je refasse pas des sessions minage samedi pour la peau en fait. Ce serait bizarre qu'il y ait que du silex quand même. Bah surtout que du silex tu l'as plutôt en surface, là j'en ai plus depuis belle lurette hein. Après toutes les sorties qu'on a fait là, j'ai check un peu partout à chaque fois, j'ai rien vu d'autre que du silex. Visuellement à la surface quoi. C'est pas très concluant tout ça. J'avoue. Ce serait bien d'avoir ouais, peut-être. Après on est dans la zone du début, c'est vrai que si on avance, peut-être qu'on aura ouais, du fer, de l'obsidienne, du mithril. Ouais, c'est possible. Essaye de creuser jusqu'à la base. Ah, je vais pas du tout dans la direction de la base là. Alors pas du tout. La base elle est je l'ai même pas sur ma boussole d'ailleurs, c'est bizarre. Mais là grosso modo on creuse dans cette direction. Ah quoique. Quoique. Bah, enfin j'en suis loin quand même. Hein. Mais bon. Je check, hein, mais non, il n'y a rien qui a changé au niveau des textures de la grotte, il n'y a que dalle, quoi. Bon, allez, on va remonter. Oula. On va réparer. Je vais pouvoir faire un grappin de plus. Waouh. Cool. Tu peux changer ta base de place je pense pas.
Je ne pense pas. Tu as agrandi ta zone de construction, mais sorti de ça, la déplacer en, comme sur un Ant-Human, sur Palworld. Je crois que ce Palworld, on peut le faire. Hein. Bon, avec des contraintes, mais là, non. Ce sera pas logique. En même temps. Non, là, tu peux pas, non. Tu peux refaire une base, vu qu'on peut craft. En fait, la base, en fait, c'est tu claims un territoire avec ça. Mais ça, c'est un truc complexe de level et qu'on améliore. On renforce et on l'améliore. Donc forcément, quand on va en mettre un nouveau, il faut recommencer de zéro. Donc, tu peux faire peut-être des avant-postes. Mais refaire une base complète sur une autre partie de la map, bah il faut du temps, quoi. Oui, on peut s'envoyer des objets, Link. Je t'ai envoyé ton grappin. Ah bon? Oui, je le vois, merci. Ah oui, il y a Chris, parce que moi, j'ai rien, je l'ai déjà. Déjà, oui. Il suffit de se tenir à côté de quelqu'un. Voilà, par exemple, là je suis à côté de Mira. Je vais dans mon inventaire. Tu fais un clic droit sur l'item. Tu fais offrir. Et voilà. Voilà, je lui ai balancé de la viande. Comme ça, elle pourra faire la cuisine. Cool. Mira adore ça, bien sûr. C'est connu. Ça me gêne pas. Les nanos. On les met où, les nanos? Un coffre pour les os. Je dois être dans un coffre. Hein. Dans le deuxième. Dans le deuxième. Où tu veux. Tu peux. Et bien du coup on est good. Et bien les loulous. Moi je vais m'arrêter là pour ce live. Donc nous on va s'arrêter juste après aussi. Hein, une fois qu'on aura coupé. Je vais remercier Mira, Dark et Chris. M'avoir accompagné pour cette première session sur Enchrouded. Merci à vous, messieurs, dames. Merci, Soma. Mais de rien, merci à toi. Merci. Mais de rien, je vous en prie. Je vais remercier du coup Gérald et Mrs. Beers qui est arrivé un peu après pour la modération du live. Comme des grands, ils ont fait tout seul. Ça, c'est bien. Merci à tous les loulous qui ont interagi sur le chat. C'était vraiment cool. Merci à Taishan. Malgré son hospitalisation, qui est passé faire le petit coucou et qui a offert un abonnement du coup à Chris. Yes. Merci à lui. Merci à tous les loulous de l'ombre hein, qui sont là pour regarder le live et du coup qui le supportent même s'ils n'interagissent pas dans le live. Je vous rappelle que demain on sera sur Fractured Veil. Samedi on se retrouve à nouveau sur Enchrouded. Et dimanche ce sera le lancement du Let's Play de Palworld avec Mira. On va attraper plein de bestioles. On va essayer et on sera en normal. Voili voilou les loulous. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, ce soit le plus important quand même. À demain pour ceux qui seront là. Donc demain ce sera encore du jeu de survie. Voilà, il y en a encore pendant 2 jours et après même pas loin, c'est de la survie mais un peu assez différente. Hein, donc voilà. Donc passez une bonne soirée. Je vous fais des bisous. La team vous dit passe le bonsoir aussi. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut les loulous. Salut.